Soir. Quel plaisir d'être avec toi ce soir pour parler donc du grand entretien de ce mois-ci. Euh, merci de, de... Je vais présenter aujourd'hui et jouer le sparring partner avec toi. Euh, Est-ce que tu pourrais éventuellement nous présenter les actualités euh, du Cercle Aristote Alors, les actualités du Cercle Aristote, on va faire, euh, on va faire euh, concis. Premièrement, euh, nos publications sont quasiment toutes arrivées à terme. On attend... Les, euh, les dieguez on y travaille, mais la chaîne du livre a été un tout petit peu euh, problématique en fin d'année. Sinon, j'espère que vous aimez les nouveautés. Là, tous nos auteurs vont commencer leur campagne de presse. Donc, euh, vous allez pouvoir voir pas mal de nouveaux au visage. Je pense à Laurent Michelon sur la Chine. Je pense à... Euh, je pense à... Euh, notre camarade qui a traduit euh, Hilaire Belloc. Je pense à... Euh, également... Euh, un autre de nos camarades qui a écrit un manuel sur la, sur la libération de la France. Et euh, deux ouvrages que, qui vont être portés par des membres de mon équipe. Le IMATS que je vais porter moi-même, vu que c'est l'œuvre de mon ancien maître et d'un de mes anciens maîtres. Et euh, le Kiss van der Pidge, qui va certainement être porté par notre camarade Rémy vu que, comme ça part du bio-pouvoir covidique, je pense qu'il euh, est tout indiqué. Donc. Vous avez d'autres publications qui arrivent, on reprend euh, alors pour les publications du cercle, on va attendre un petit peu les équipes sont fatiguées et on va attendre euh, fin février pour sortir par contre chez Jean Cyril Godefroy, là nous allons sortir un ouvrage de nos, mon camarade Driss Gali. alors Driss Galli qui yes, est c'est un franco-marocain euh, qui vit aujourd'hui enfin qui depuis quelques années au Brésil comme entrepreneur. Et qui s'était fait connaître par euh, des, euh, des écrits sur, tu sais, les fameuses théories militaires de la, de la Casbah d'Alger, et, euh, et qui là euh, sort, sort chez nous une contre-histoire de la colonisation qui pique, qui franchement pique, et euh, au passage, puisque je sais qu'il y a des gens un peu soupçonneux. Il est musulman. Le, ça, me, ça me dégoûte d'avoir à, à le souligner, mais euh, voilà. Mais je pense que c'est euh, un des intellectuels qui monte un peu dans la, dans la galaxie, euh, dans la galaxie populiste et euh, qui est euh, extrêmement courageux. Et c'est un ouvrage extrêmement courageux parce que euh, c'est un ouvrage vraiment historique. Euh, Lui-même a plutôt une formation générique, plutôt. Et euh, par contre, il raconte son, son œil de colonisé, et objectivement, la pleurniche, c'est pas son truc. Ouais. Et elle, euh, donc, je pense que malheureusement. Euh, la gauche ne le reconnaîtra pas, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, ne le reconnaîtra pas comme un bon arabe pour le coup. Mais c'est un franco-marocain. C'est un franco-marocain. Il est marocain, il a, fait, il, est, il a fait ses études en France et il a exercé à l'étranger. Et comme patriote français, je trouve qu'il est extrêmement courageux. Euh, le, et déjà, il fa, fallait l'écrire. ce C'est dur, hein, c'est dur. En tant que franco-marocain, ça va être relativement compliqué, parce mmh. qu'on sait qu'il y a toujours l'œil soupçonneux. D'un côté, on considère ah, est-il vraiment français D'autres qui vont dire est-il vraiment marocain Ça va être particulièrement compliqué. Ben, je pense qu'au sein du nationalisme français, il y, y a un avantage. On n'imagine pas à quel point le nationalisme français, et c'est historique, est assimilateur pour une raison, c'est que on reconnaît assez facilement le courage chez nous. En tout cas, chez les nationalistes. Dans d'autres, chez des gens qui appartiennent plus à la droite qu'au nationalisme, euh, la question peut se poser. Mais euh, objectivement, euh, la question de le, faut pas oublier que pour nous, la question, c'est la question de l'allégeance. Il a prêté allégeance, il n'a pas prêté allégeance. Il a pas prêté allégeance. Le plus simple, c'est d'éviter. De faire venir sa névrose dans un pays qui n'est pas le sien et donc mieux vaut retourner chez soi si ça nous manque au point d'ailleurs de pouvoir les aider par contre de la part de quelqu'un qui a prêté allégeance à un moment on va pas les traiter comme des immigrés de la cinquième génération à un moment quand l'allégeance est prêtée l'allégeance est prêtée si les, si les actes suivent des actes suivent terminé ça doit plus faire débat donc euh, et, euh, et je le dis euh, moi je veux bien qu'on qu'on dénie à certains de mes camarades euh, leur francité, à une seule condition, c'est qu'on en fasse plus qu'eux. À une seule condition. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai absolument rien contre le fait ethnico-culturel. Le problème du fait ethnico-culturel, c'est que si je le prends de manière basique, bas de gamme et au pied de la lettre, Christophe Barbier est mon frère. Et ça, c'est jamais. D'accord Ça, c'est jamais. Donc, euh, ça va être le seul ouvrage là qu'on va sortir. Euh, ensuite, on reprendra donc au, au mois de mars, particulièrement avec un ouvrage sur le, sur le Rwanda par mon camarade Patrick Mbeko. Euh, sur question de nos événements, là, nous avons commencé, euh, ce, en, au moment où nous parlons, euh, un grand génie qui est permanent est reçu au Cercle Aristote. Nous avons également, euh, nous aurons la semaine prochaine mon camarade Olivier Delorme, donc grand spécialiste de la Grèce et des Balkans, qui viendra sur un sujet. Dix ans après, la Grèce était-elle un laboratoire Et nous aurons également euh, la psychologue Marie-Estelle Dupont, qui viendra en. Donc, euh, ça doit être le, le 16. Non, euh, le, le 21, un truc comme ça, enfin le, le lundi qui suit, sur l'état psychique des populations. Le 23. Euh, 23. Et, euh, et nous, nous recevrons également Roland Lombardi, mais pas euh, en toute fin de mois, mais en tout début euh, février, qui a écrit un bon ouvrage sur la géopolitique égyptienne, parce que c'est un pays dont on ne parle pas assez, et euh, où il fait le bilan du, du maréchal sisi euh, qui est euh, là encore un homme musulman, pieux et légaliste, mais qui, euh, disons, euh, parce que c'est une affaire de goût que le frère musulman illustre est très décoratif euh, est, très, est très décoratif dans le dans les grandes artères du Caire donc le euh, euh, oui, euh, tradition nassérienne euh, s'il en est bah si tu si tu veux je préfère encore je préfère encore ça que euh, si tu veux les ronds-points multicolores de la ville de Paris <rire> donc, <rire> elle, donc chacun fait ce qu'il peut donc euh, euh, juste, euh, ça c'est un rappel habituel. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de ce que nous faisons, particulièrement par la newsletter. Euh, N'oubliez pas également que euh, vous pouvez adhérer au cercle. Euh, pour ceux qui nous ont fait des dons, vous avez été nombreux, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour demander votre défiscalisation. Elles seront faites dès le début janvier. Je suis en train de voir ça. Et. Euh, je voudrais faire un point sur les cercles de province. Est-ce que euh, deux cercles se sont montés récemment. Alors, un s'est remonté, il existait déjà. Euh, C'est le cercle de Montpellier, euh, que euh, je suis allé faire une conférence en duo avec Michel Clapier, qui est pour moi un des grands juristes, euh, euh, un des hommes assez critiques sur l'état de droit, sur toutes ces, ces sous-notions euh, qui ont empoisonné la science juridique française. Et euh, là, ils ont reçu un camarade à nous Montpelliérain en diable qui est euh, Michel Maffessoli. Et le euh, et donc euh, ça, ça a bien marché. Et le cercle Mesmer qui est donc le cercle de la Roche-sur-Yon euh, par un tout jeune homme dont je vous reparlerai bientôt parce que il a, il a plein d'avenir et euh, qui ont reçu mon camarade Mathieu grand pierron donc théoricien de relations internationales, spécialiste entre autres d'un conflit qu'à un moment ou à un autre nous aurons à traiter, qu'on a déjà un peu commencé à traiter, mais qui à mon avis malheureusement va pourrir. Quel conflit taïwanais Donc euh, le, euh, parce que bon, à un moment l'Ukraine finira par lasser, hein, euh, faute de combattants. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez nous contacter, contacte ou pour ceux qui voudraient monter un cercle dans, euh, dans une ville proche de chez eux, nous on a des équipes qui peuvent euh, vous guider, vous aider, on a une équipe qui est dévolue à ça, donc n'hésitez pas, cercle au pluriel, Voilà, c'était les actus. Et sans transition, si tu veux bien, vu qu'on parlait de relations internationales, on a, en termes d'actualité au niveau international, on est, on est servi. On a eu il y a quelques jours, hier même, cette intervention au Brésil du peuple brésilien qui a fait éruption dans, certaines, mmh. euh, dans certains lieux de pouvoir, euh, protestant donc contre le pouvoir un peu faible de, de Lula. Qu'est-ce que toi tu en as pensé que, euh... Alors, faut, là encore, c'est une leçon de choses. Premièrement, c'est un événement extrêmement récent. Donc, faut avoir un jugement légèrement suspendu. Deuxièmement, il ne faut tout, pas oublier, et ça, si tu veux, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que euh, c'est une phrase euh, qui revient beaucoup dans ce, à la fois met ce qui est mis à mon crédit, ce qui m'est reproché. Il dit, il dit bah, tu, tu dis que c'est chez eux. Je, je vois pas en quoi il y a quelque chose de révolutionnaire à dire que les Brésiliens sont chez eux au Brésil. Mais, euh, mais admettons. Admettons, admettons, admettons. Donc. C'est chez eux. Moi, à titre personnel, j'ai aucune bille euh, là-dedans. Enfin, euh, j'ai aucun, aucun intérêt d'un côté ou de l'autre. Je remarque une euh, remarque, euh, disons, euh, de fond et une remarque d'ordre général. Une remarque de fond euh, que Lula ait utilisée... Euh, ces manifestations pour, pour faire croire au retour de la dictature militaire oui. dont Bolsonaro a été une butte témoin sans y jouer aucun rôle, il n'a pas l'âge mais il avait une, il a, on lui a prêté une certaine nostalgie de, de bah, l'époque. C'est-à-dire et... qu'il a pris deux vice-présidents, euh, l'un mm -hmm. pour les dernières élections et le précédent, c'était deux généraux de l'armée brésilienne, mm -hmm. et donc lui-même se revendique un peu de ce passé. D'ailleurs, une armée qui n'est pas si rétrograde. En Amérique latine, on est habitué un peu à des, à des, à des armées... À des armées assez... assez... Des ce genre d'horreur. Bien sûr, oui, Là, tout fait, Brésil, donc, ça va. Hein. Le, le, premièrement, il y a un aspect très populaire, il y a un aspect très national de l'armée brésilienne. Il ne faut pas oublier qu'au tout début... Bolsonaro, moi à titre personnel, j'avais été très sévère avec Bolsonaro sur un point. Oui. C'était quand il avait dit, vous savez, on pourrait avoir une base américaine sur le territoire brésilien. Je pense qu'en fait, il voulait faire surréagir l'armée. Je pense qu'il en a jamais eu réellement l'intention, mais l'armée a surréagi parce que l'armée brésilienne a dit hors de question d'avoir une base américaine oui, chez nous. C'est pas l'armée chilienne. Euh, c'est pas l'armée chilienne. Mmh. Voilà, c'est pas l'armée chilienne. Euh, c'est et d'ailleurs pour une raison qui est simple. L'armée brésilienne est une armée qui n'a pas, pas d'autonomie par rapport euh, budgétaire par rapport à l'État brésilien. Ce qui n'était pas le cas de l'armée chilienne. L'armée chilienne était propriétaire des mines. Mmh. C'était l'armée la plus riche d'Amérique latine. Mmh. Elle pouvait donc se permettre de faire ce qu'elle a fait. Tu vois Or, le, le, le souci, c'est que il y a eu une part de point condor au Brésil. Elle a été, par rapport à la folie argentine, je ne dirais pas qu'elle a été légère. Je dis qu'elle n'est elle pas allée... Elle n'est pas allée dans la monstruosité qu'on a connue particulièrement en Argentine, mais il euh, y a une armée assez patriote au Brésil, donc et surtout il y a une grande tradition latino-américaine de l'armée émancipatrice, hum, voilà, le... comprendre Domingo Perón, par exemple en Argentine, l'exemple le majeur ah, oui. bon, donc. Or le, le vrai problème, c'est que Bolsonaro est quelqu'un qui a tout fait pour que l'Occident l'accepte, tout. Le régime le problème, c'est que t'es pas assez progressiste, t'aimes pas les trans, t'aimes pas les machins, t'aimes pas les trucs. Bon, autrement dit, le nec plus ultra de la démocratie et de l'occidentalisme. Bon, on sait par où ça rentre, en tout cas. Bon, donc, le... et arc-en-ciel. Ouais, et arc-en-ciel. Bon. Alors, ben, il faut être honnête, c'est très rare, je l'avais noté à l'époque, c'est très rare pour un homme qui est au pouvoir de... et un homme à qui on prétend un caractère très ombrageux euh, de se remettre en question. Il s'est remis en question, en tout cas sur la scène internationale, c'est très net. Enfin, il faut dire, on lui a tout fait, à ce type-là. Et, ouais. hein, Et sur la politique sociale, parce que sur la politique sociale, il a proposé une bolsa familia, qui était la suite, en fait, de la politique de Lula, une politique sociale qui n'était pas du tout dans son programme à l'origine, hum. que ce soit au niveau international, au niveau, le, enfin, à dire interne, même si ça nous intéresse un peu moins, nous, mais mine de rien, c'est quand même, effectivement, moi j'étais... Hum. Au début, Bolsonaro, pour moi, c'était quoi C'était la suite du protestantisme en soi, euh, oui, sûr, euh, aligné bien, sur les intérêts américains, euh, la Nouvelle-Jérusalem, le candidat évangélique. Euh, non, ah, voilà, c'est ça, un oui. candidat le cré... évangélique, sais, tout à fait. Bon, Il y a une série sur Netflix d'ailleurs sur un candidat évangélique en Argentine, un peu dans non, le même genre. Le... C'est ce type-là de, 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 de politique latino-américaine très américano-centrée. La seule chose, c'est que peu importe que ce soit dans son caractère ou pas, euh, il a normalisé ses rapports avec tout simplement le premier partenaire économique du Brésil, qui est la Chine, jusqu'à preuve du contraire. Euh, le, euh, le secteur agroalimentaire brésilien a besoin de la Russie, qui est un très bon client, et donc bah, il a suivi euh, les intérêts. Et d'un côté, Bolsonaro a pu capitaliser. C'est pour ça qu'il a eu du mal à être battu. On s'attendait pas, on s'attendait à ce qu'il soit écrasé. Il n'a pas été écrasé. Euh, il a pu capitaliser sur le fait que les classes pauvres brésiliennes et ça, c'est la remarque d'ordre général à laquelle je voulais arriver. La remarque d'ordre général, c'est que beaucoup de partis dits de gauche, et Lula est un exemple classique, qui ont fait qui ont fait naître énormément de promesses dans les peuples en développement, sont les pères de la déglaciation émotionnelle des populations classe moyenne et classe populaire qu'on appelle le populisme, qui est un phénomène de psychologie sociale avant toute chose. Et donc, sont les pères de la fracture. Même exemple aux États-Unis. On peut se plaindre de Donald Trump, mais Donald Trump, c'est la responsabilité de X décennies de trahison du Parti démocrate. C'est le... le retour du de People's Party, euh, du populisme américain du 21e siècle. C'est le peu. retour du, du, du populisme du Sud. Mmh. Hein, c'est aussi simple que ça. Or, le... on ne comprend pas que ce qu'on appelle à tort le progressisme en réalité, appellent comme un anticorps le fait populiste, parce que qu'ils euh, sont dans la dérive de la gouvernance, donc euh, la démocratie procédurale sans le peuple, et qu'à un moment, qu'on l'accepte ou pas, le peuple n'est pas un réceptacle politique. Est ce qu'on sait depuis les théories antiques et ce qu'on reconnaissait dans les théories politiques médiévales. Donc si tu veux, il y a un aspect régressif de, de l'infantilisme oligarchique occidental qui, que tu vois là au Brésil, parce que Lula voulait repartir comme en 40, alors qu'il a été jeté en tôle par les Américains de manière absolument infondée, il a été sorti de tôle par le feu qu'il y avait mis, et euh, l'ambassade des États-Unis a, a pris fête et cause pour lui lors de l'élection. Justement parce que Bolsonaro, dans un contexte, euh, entre autres, de guerre d'Ukraine, a dit que de toute façon, il ne se fâcherait jamais avec ses meilleurs clients. Chinois et russe, de la part d'une administration Biden, euh, pour, pour qui, euh, de toute façon, euh, depuis quand les Brésiliens ont à avoir un avis sur un pays dont ils ne sont que locataires? Donc, euh, mais attention avec beaucoup d'amour. Le avec beaucoup d'amour, parce que Biden a beaucoup d'amour à revente, pour ça d'ailleurs qu'il a les mains qui se baladent un peu partout. Un peu de avec le, certains publics. Euh... Le, il a, disons qu'il est tactile, et il est tactile. On va pas se plaindre parce que nous on a, nous, on a Manu et Manu aussi il est tactile. <laughs> mais le, le, c'est sur d'autres publics, mais il est tactile aussi. et, le, donc, et le, mais, mais tu vois, là, peu importe que Lula utilise cette colère, cette colère existe. Et. Vu les conditions dans lesquelles Lula a gagné, je ne dis pas, absolument pas qu'il a fraudé, etc. Je n'ai aucun, aucun argument sérieux à le faire valoir là-dessus. Et à titre personnel, ça ne me regarde pas. Je dis juste que quand on est dans des élections très serrées, qu'il y a un clivage de classe qui se rajoute au clivage ethnique traditionnel de la, de la, de la vie brésilienne avec les, in, les, les Indiens, les Métis mmh. et, les, et les descendants d'esclaves. On essaye de calmer le jeu. Je ne dis pas qu'il faut jouer à un gouvernement d'union nationale, mais on essaye de calmer le jeu. Et j'espère que euh, certaines personnes qui euh, se font mousser à gauche sur le dos de l'Amérique latine pour oublier leur trahison, ce qui est le cas d'énormément de partis de gauche européens, et ce qui est le cas du Parti démocrate, enfin euh, de la branche euh, Cortés ouais, euh, aux, aux États-Unis, ne vont pas faire leur beurre sur le dos. Euh, de la population brésilienne. Je rappelle que le Brésil est un pays extrêmement violent, avec des gangs armés qui sont à ça d'être surnommés armés criminels. C'est un pays qui est surarmé. Si on la joue mal, et nous, ça nous concerne directement, déjà par un fait, le Brésil est notre plus grand voisin terrestre. Je le rappelle. Crois-tu que on doit rejoindre l'Alba euh, pour euh, l'organisation de, de, de bolivarienne d'Amérique latine bah, Si tu veux, le, je, je vais dire le, tu, tu sais, le projet de, 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 de Mélenchon et je trouve que c'était une très bonne idée parce que je pense que qu'il faut désenclaver économiquement, entre autres, euh, nos euh, euh, no, nos îles proches, proches des Caraïbes plus la Guyane. Et le seul moyen de les désenclaver, c'est de les inclure dans les alliances économiques régionales, où nous sommes exactement de la même manière qu'à titre personnel, la France a de droit un, au moins un rôle de membre observateur à l'OTAS. Oui. Ah oui, il ne oh, faut pas déconner non plus. <laughs> Le, euh, et j'irais même, et là je vais choquer, mais je l'avais dit une fois... Euh, et euh, j'ai pas eu assez de, de gens qui ont gueulé, donc je le redis bien sûr. <laughs> Alors, écoutez, la, France, bien. la France a. J'aimerais, parce que les Russes l'utilisent comme levier de puissance, et je vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire, que la France ait un siège à l'organisation de la conférence islamique. C'est une centrale d'affaires, ça veut pas dire que. Euh, ça veut pas dire que Kefié babouche. C'est euh, juste qu'à un moment, il y a une méthode pour faire du business en Orient. Les Russes l'ont compris, nous on l'avait compris, on l'a désappris. Euh, parce que bah, si tu veux, c'est l'aspect abétissant des droits de l'homme, hein. c'est-à-dire qu'on euh, ne, on ne prend plus les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'on voudrait les faire. Hein. Ce qu'on appelait du colonialisme à une époque, mais malheureusement, euh, là maintenant que, que c'est fait avec de bons sentiments, on oublie d'où ça vient. Mais euh, je ne vois pas pourquoi la France ne demanderait pas à siéger à l'OCI. Alors après c'est vrai que la Russie elle a fait quand même des concessions pour euh, pour avoir un lien avec euh, les pays musulmans euh, que ce soit euh, du Golfe puisque maintenant elle elle siège à l'OPEP plus euh, grâce mmh, à, à l'intervention de l'Arabie Saoudite mais euh, par exemple Vladimir Poutine a fait quand même la plus grande mosquée d'Europe mmh. à, à Moscou disant dans le discours d'entrée ce qui est quand même très fort parce qu'on dépeint Poutine comme un, euh, un bon, le raciste fasciste bon l'habituel oui, bon, et il a, a quand même plus... dit la Russie est aussi un pays musulman Puisqu'il y a une grande minorité, quand même. Ah, de euh, toute façon, pas... c'est d'ailleurs l'erreur que certains ont fait, euh, font sur la Russie des deux côtés. C'est-à-dire, ceux qui pensent que la Russie est l'avenir du, du suprémacisme blanc, si tu veux, il faut... faut... <laughs> Allez passer 15 jours au Kazakhstan, le... euh, ou alors à Moscou, mais avec une grosse minorité kazakh, euh, bon, c'est... Non, la non clorerie, mais t'as euh... as, ceux-là. Mais de l'autre côté, tu as ceux pour qui la, la Russie... Euh, et euh, le symbole du dialogue des religions. Non, la Russie n'est pas le symbole du dialogue des religions. La Russie a des musulmans depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et et elle a une vocation impériale. Est, et puis elle a une vocation impériale, une troisième robe. C'est-à-dire que, que des choses. Euh, le, elle est encore sur un césaropapisme. Nous, on a eu, des, nous, on a eu les tous les meilleurs rois de France en point commun. Ils ont tous été excommuniés par Rome. Donc, le, euh, le, c'est un état de fait. Non, mais c'est un état de fait. Donc, si tu veux, de dire on va faire comme les Russes, ça euh, n'a pas de sens. Si tu veux, ça n'a pas de sens. Mmh. Nous, on avait. Et, et si tu veux, c'est là où j'aimerais que le camp national travaille. Nous, on avait fait produire un document par Pascal Mas, qui était le, le diplomate français. Euh, représentant des intérêts du Tatarstan en France, sur justement l'islam de Russie. Le, elle est encore en ligne dans, dans les archives du cercle pour bien faire comprendre que non, euh, la Russie n'est euh, pas euh, le symbole de la réconciliation religieuse entre les orthodoxes, les chamans, les musulmans, les juifs, euh, les... Euh, euh, les, euh, euh, alors, oui. les vieux croyants sont des, sont des orthodoxes hein, mais enfin euh, sont une version légèrement protestantiste des orthodoxes. Les, orthodoxes les orthodoxes rattachés à l'Ukraine voilà. les orthodoxes rattachés à Moscou voilà, les orthodoxes donc, rattachés à veux, bah, mais la, la seule chose qu'on peut apprendre de la Russie c'est à ce niveau là c'est de prendre en compte le fait religieux c'est tout et de ne pas avoir ce que j'appelle la euh, qui n'est ce qui n'est pas le de la laïcité, ce qui est le du multiculturalisme à la Vincent Payon des années 80, à base d'anticatholicisme, euh, la laïcité n'a jamais interdit la culture religieuse. Ça, c'est très récent. Ah bah, ils essayent hein. à... d'utiliser la, la laïcité C'est ce euh... que dit. Ça, ça date des années 80. Ça date de Vincent Payon, ça date de, de gens qui, à mon avis, ont un rapport, disons, édipien maltraité avec, avec la religion chrétienne, ou qui estiment que euh, la laïcité est un fait protestant, ce qui est faux. Or le, s'ils aiment tellement le protestantisme, il y a des tas de pays dans lesquels ils peuvent aller. Il y a la Rochelle. Ou alors, Ouais, va dire ce mes parce que la Rochelle historiquement, on y entre, on y entre, mais combien on s'en sortit Et et mais tu vois, il y a le Parti Socialiste, sinon comment que les protestantes ça va très simple Non mais je, c'est pas faux ce que tu dis. Le PS a été dominé par les protestants. entre autres, le se fait, Lionel Jospin, vieille pipi, le Very important Personality personnalité protestante. Et or le mais tu vois, c'est la seule chose qu'on peut apprendre de la Russie. Mais par contre, il, il faut réagir à la multipolarité. Et Bolsonaro a réagi à la multipolarité. Poutine réagit à la multipolarité. Nous, on ne veut pas réagir à la multipolarité. On pense que le monde se décide entre Washington, euh, Bruxelles. On accepte, pour des raisons de pognon, d'y mettre Pékin, mais au second rang, alors que... Euh, on ne se rend pas compte qu'en parité, ils sont déjà première puissance, mais surtout en termes de secteur productif, Sapir en parle magnifiquement, en, en secteur productif, le secteur productif chinois, c'est trois fois le secteur productif américain. Donc à un moment, il va falloir mettre les pendules lourdement à l'heure. Je pense que l'élimination politique de, de Bolsonaro par les Américains, je ne dis pas que Lula n'a pas gagné, attention, je dis que... Il y a eu une volonté de liquider oui. Bolsonaro que les Américains ont d'ailleurs revendiqué. Et euh, lié justement à cette prise de, en compte de la multipolarité, mais de toute façon, la multipolarité tapera à la porte de Lula. Parce que tu n'enlèveras pas... Le fait que la Chine est le premier investisseur étranger au Brésil, tu n'enlèveras pas le poids du client russe dans le, le secteur agroalimentaire qui est vital pour la puissance brésilienne, tu ne retireras pas du cœur de l'armée brésilienne la volonté d'avoir une flotte qui permette d'être respectée dans l'Atlantique Sud. Donc, de toute façon, le Brésil est un acteur de la multipolarité, quoi qu'on en pense. Et Lula, je pense, n'a pas renié les, les, une partie des rêves qui ont été les siens, mais. Qu'une pente, je ne dirais pas de corruption, je dirais. Je dirais une pente de facilité euh, de pouvoir. Lors de son premier mandat, euh, l'a fait rogner. Et deuxièmement, le fait que Lula a énormément déçu une partie euh, des classes moyennes et pauvres brésiliennes et qu'il doit faire une politique nationale. Je ne dis pas absolument pas qu'il en est pas capable. Je dis qu'il aura beaucoup de mal à concilier cette politique qui n'est pas dévi de liquider le, le, le bilan de Bolsonaro, vu que le bilan de Bolsonaro suit les lignes que Lula lui-même tentait de faire. Donc ça serait se tirer une balle dans le genou. Je dis de penser les plaies de la, et de la, de la de la, du peuple brésilien avec la main américaine dans le dos. Et d'un certain côté, on risque de choquer, je pense que la main américaine sera beaucoup plus raide sur Lula tant que Biden sera là que par exemple si Trump revenait. Parce que, parce que Donald Trump fait ce qu'il sait faire le mieux, deal maker, c'est-à-dire il, il fera un accord avec Lula là où euh, Biden, il faut revoir à ce niveau-là une archive qui et que, que, que mon camarade Bessonnet a retrouvée il n'y a pas longtemps qui est le discours de Biden pendant la guerre des Balkans, où il a été un des pires vates en guerre. Il ne faut pas oublier que pour Biden... Le pro... Biden est un homme de la destinée manifeste, ce que n'est pas totalement Donald Trump. Donald Trump est un nationaliste américain, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, pour euh, le bien, l'Amérique est en droit de le définir. Ce faisant, Biden est en accord avec les hommes du New American Century. C'est très strocien, c'est très très pour le coup. Euh, des... ah, là, je suis en désaccord avec toi, si tu veux. C'est très néo-conservateur dans la lecture. Qu'ils ont fait de Léo Strauss, Léo Strauss ayant l'avantage d'être mort à ce moment-là, et <laughs> les morts ont l'avantage d'avoir tort. Mais le. Euh... Si on peut juste voir sur la question de, de, de Lula, en fait, c'est quelque chose qui est assez similaire avec la France. Est-ce que tu ne trouves pas que cette évolution de Lula vers un espèce de progressisme éco-socialiste, machin, hmm? est-ce que c'est pas un peu la même pente finalement, la trahison de Jean-Luc Mélenchon euh, de 2012 à 2017, en euh, 2022, alors on attend 2000, euh, je ne sais pas combien. Ah, mais de. de, de... Jusqu'où jusqu peut-il trahir en fait bah, le, le souci, c'est que le rapport de classe, c'est dangereux. Et euh, comme on prenait... Euh euh, si tu veux, la voix des écoliers pour aller plus vite à l'école, il y en a qui prennent le sentier des temps pour éviter la confrontation de classe. Donc, le. Euh, euh, je, je ne serai pas plus clair, mmh. mais le, pour pas tomber sous le coup de la loi. Oui, je cherche mais le code, pénal, là, je le, cherche le code donc pénal. Je cherche le code pénal. Mais euh, le, le vrai problème qui, qui va se, se poser, c'est qu'à un moment, euh, à force de tourner autour du fait national, ils vont finir par le trouver. Soit ils ne vont faire que euh, de couronner par de, que quelque chose qui n'est pas du socialisme. Le socialisme, c'est de prendre soin des forces productives. Il n'y a pas de misérabilisme dans le socialisme historique. Il ah, ne faut pas déconner. Ah, c euh, soit on prend soin des forces productives, c'est-à-dire de ceux qui assument le principe de réalité et qui bossent, soit on met sous perfusion de caisses collectives les délires de l'individu roi, en pensant qu'on va l'aider. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple très précis, c'est-à-dire où, par exemple, tu penses que tu vas aider des gens qui sont en souffrance en leur permettant d'avoir certaines thérapies médicales qui ne vont pas euh, régler le problème, qui vont juste euh, coûter à la société et liquider d'un système mutualiste. Alors que tu n'as pas répondu à la souffrance de certaines personnes, souffrance prise en otage par un système médiatico-politique, plus euh, un système associatif qui ne demande euh, qu'à avoir euh, de sonnantes et trébuchantes dividendes. C'est le cas de tout ce qui est intersexualité. Euh trans, etc. Et on rajoute de la voilà. souffrance, puisque on, le nombre on. de personnes qui, après avoir fait une transformation, veulent on. revenir en fait, sur leur pas et disent que c'est ignoble, il y a eu Bien plein sûr. de, de, de témoignages là-dessus. Donc en fait, on évidemment. rajoute de la souffrance. On rajoute de la souffrance, mais on est dans la gestion par big business euh, du fait identitaire, donc euh, on n'est pas uniquement dans la monétisation du vivant, on est sur le marché identitaire. Et ce faisant, Jean-Luc Mélenchon ne fait que terminer l'œuvre de la deuxième gauche, c'est-à-dire le dévoiement du socialisme par le marché et par la religion du marché qui va avec celle de l'individu roi, oui. pour une seule raison c'est qu'un individu non individué, qui est un grand adolescent avec un pouvoir d'achat d'adulte, c'est très important, est le meilleur homo economicus parce qu'il ne se plaint pas, il pense que parce qu'il a des naïfs, comme tout le monde, ça fait de lui un individu unique. Et euh, il ne comprend pas les rapports de classe parce qu'il se dit que, de, que dans sa petite vie, euh, s'il a euh, euh, Big Food, Big Pharma, plus euh, un tranquillisant et porno, heureux. il est heureux, euh, il est heureux à pas cher. Donc, euh... en fait, il participe à détruire la logique de classe. Si on regarde bien, Jean-Luc Mélenchon fait ce que Michéa lui a dit de pas faire. Hein, mmh. Si on lit Jean-Claude Michéa, c'est assez clair L'Empire du Moindre Mal. Mmh, euh, totalement. Priori, on lui dit Ce qu'il reste dans la société de saint, c'est la solidarité de classe. Mmh. Et en prenant systématiquement l'individu par le petit bout de la lorgnette, alors toi, tu te sens comment Moi, je me sens malade mental. Toi, tu te sens comment bah, Moi, je me sens malade mmh. parce que j'ai une, une orientation qui correspond pas à mon corps. Toi, comment tu te sens Moi, je me sens euh, bleu à point jaune. Et donc, à partir de ce moment-là, on prend l'individu, on détruit en fait la cohésion de classe. Ce faisant, le... et c'est ce qui est en train de, de peser sur Jean-Luc Mélenchon, Moi, tu vois, on, on a reconnu que, euh, si tu veux, en, en voyant l'élimination de poils de carotte, il euh, y, y, y a au moins 6 mois, 6 euh, à 8 mois, plus la prise de pouvoir de Bompard. Mais la prise de pouvoir de bon c'est quoi C'est la prise de pouvoir du NPR, pour être très honnête. C'est la prise de du pouvoir du, du, des pablistes. Bon, les, les pablistes, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, ils en sont à... Euh, ils sont restés sur les théories de Tony Negri. Bon, les théories de Tony Negri, c'est assez simple. Euh, on oublie la lutte des classes, on repeint ça sur l'Empire et la multitude. Mmh. Bon, très bien. Et en réalité, on est resté sur... Il euh, faut pas oublier que euh, les pablistes font campagne derrière Tony Negri D'ailleurs, ça a mis en porte-à-faux le, le petit facteur à moumoute, Meusens-Nous, à l'époque, euh, font campagne pour le oui à la Constitution bien européenne. Bien pourquoi Pour détruire, je cite, la, la merde d'État-nation, c'est le mot Tony Et pourquoi Parce qu'il faut arracher l'individu à tout, à tous ses enracinements et à toutes ses protections, pour, euh, si tu veux, obtenir la fameuse multitude euh, qui, euh, si tu veux, défie. Euh, l'ordre impérial par une espèce de spontanéisme adolescent et boutonneux qui n'a rien à voir avec le marxisme. Tu vois, c'est un processus qui est, si tu détruis tous les enracinements qui sont en réalité les chaînes que l'État bourgeois a données à la population, euh, eh bien, tu auras une masse de révolutionnaires formés euh, en claquant des doigts, et ça, c'est du spontanéisme boutonneux, oui. et ce euh, qui tient de penser encore aujourd'hui à des gens par exemple c'est la logique de bompard qui dit euh, de, et, euh, si on liquide la ligne euh, disons michel ou giorgio michel puisque c'était la ligne de de, de hein, le, oui. la, et euh, eh bien nous aurons enfin la fameuse convergence des luttes euh, qui apparaîtra par, par une nuit sans lune au fond d'un de, trou derrière un puits, et, le, euh, et, et qui, je le dis, puisqu'il y, y a certains euh, euh, indigénistes qui me, qui me disent, euh, Mélenchon, bon, de toute façon, tu n'as raconté que des conneries, Mélenchon s'est très bien débrouillé lors de, de la dernière, Mélenchon rate le deuxième tour à 400 000 voix, là où il l'a raté à 200 000 voix, point, barre. Donc, et encore Mélenchon était dans les choux jusqu'au moment où il a demandé à Obono, Clémentine Autin et toute la clique de Baltringue, qui euh, qu sont eux sur le marché de l'identité, de s'effacer derrière lui. D'ailleurs, tu ne les as pas vus de tout le reste de la campagne. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ce que Mélenchon sait faire de mieux, c'est-à-dire quelque chose qui est 50% petit père des peuples, 50% leaders leader minimaux. Et, euh, et ce faisant, il a retrouvé certains accents. Sinon, il ne serait pas en train... À mon avis, de préparer quelque chose, on hein, pourra en parler, euh, parce que euh, je remercie les, les gens qui, qui pensent, qui, qui font remarquer à, à plusieurs analystes que euh, la prise de pouvoir, par exemple, de Bompard, je l'avais annoncé avec un, un an d'avance. Le problème, c'est qu'on peut être en accord sur le fait, mais pas sur l'interprétation du fait. Parce que soit Jean-Luc Mélenchon, moi, c'est. Moi, je ne veux pas entrer dans le, le fait personnel, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est malade, est-ce qu'il se sent trop vieux, etc. Je n'ai rien à dire là-dessus. Certaines personnes voient qu'il est amaigri, alors est-ce qu'il est malade, etc. Je n'en sais rien, et donc ça, je pense que c'est de l'infrapolitique. Il y a plusieurs possibilités. Soit Jean-Luc Mélenchon veut vraiment y aller pour gagner, avec le risque du combat de trop. Si c'est le cas, il laisse Bompard prendre le parti, sachant que Bompard est universellement détesté. Toi, tu as été cadre de ce parti, mmh. tu peux me le confirmer. Oui, je te conseille, il national, est parti de gauche. Ouais. Du gauche, uni... Bompard est universellement détesté parce que c'est vraiment l'homme d'appareil dans ce que ça a de pire, Le et donc Mélenchon... Enfin, il, est, il est universellement détesté, il l'était en tout cas, ça mmh. c'est sûr, mais bon, ils ont tué tellement de monde entre-temps, c'est-à-dire qu'ils ont mmh. quand même réussi à se débarrasser, parce que on parlait de Georgie Kuzmanovitch, mais Georgie Kuzmanovitch c'est le, le type le plus, le plus solide, mais après ils ont commencé à tuer non pas uniquement georgi Kuzmanovitch, mais même les gens qui étaient un peu laïcs, par hasard, parce que ça leur avait Cog. pris... Voilà, exactement. Qui n'était pas du violent, enfin, je veux dire. Qui n'était pas méchant, quoi. Centre-gauche, bon, voilà, pas méchant. Patoche, quoi. quoi. Ouais. Il y a un social-démocrate qui s'est réveillé énervé. Voilà, c'est un, un, voilà, un, un, un Peignaruisque. Ah bon, un Oula, oui, 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 bien sûr, oui. C'est à peu près la même école. Voilà. Donc, mais Peignaruis était très mal vu. Et donc spécialiste de la laïcité, mmh, très, très mal vu parce qu'il défendait la laïcité. La laïcité, c'était déjà quelque chose de négatif. Donc maintenant, mmh. on va se retrouver avec des gens. Et l'élimination de Charlotte Girard. Et Charlotte Girard, effectivement. C'est-à-dire la. La femme, la veuve et la mère du grand de la Pierre, qui était le fils spirituel de Mélenchon, hein, je le dis toujours, qui veut connaître le véritable Jean-Luc Mélenchon doit voir l'éloge funèbre qu'il fait à de la Pierre, qui, qui tirerait des, des larmes aux pieds, qui tirerait des, qui tirerait des, des larmes aux plus endurcies. Hein. « Selon ton expression, tu es entré dans le néant, François, à 7h48, le 20 juin. Mais tu y es entré, drapeau et musique en tête et ton sourire narquois est resté figé sur les lèvres de ton cadavre. Or, le. Et là, vous... là on voit un homme brisé. Et quelque chose s'est brisé dans Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là. Il y a eu après la tentation Corbière. Le problème de Corbière, c'est qu'il y a un côté très lassis, chien fidèle, mais, mais euh, Corbière est tout sauf un imbécile. Son bouquin sur les Thermidoriens est, est bah, pas, le pas mauvais. Le problème de Corbière, ça reste... Le problème de, de, de Corbière, c'est la largeur de l'ombre qui pèse sur lui. Je, je n'entrerai pas dans, <laughs> les, euh, dans les détails. Mais le... Euh, donc, le, le, le vrai problème, c'est que maintenant... La seule chose, et là, si tu veux, je, on en avait parlé, euh, toi et moi, il y a qu'une seule chose que je ne comprends. Je comprends que peut-être même de laisser Bompard prendre le pouvoir, parce que c'est une vieille technique maoïste, euh, si tu veux, laisser pousser les mauvaises herbes pour pouvoir les cercler. Et il y a une, toujours une tentation de l'ailleurs chez Mélenchon, c'est-à-dire quand une structure le saoule trop, il la bat, il en fait une autre. C'est toute sa carrière ah bah politique. C'est l'OCI, hein, c'est l'Organisation Communiste Internationale, c'est trop de kiste Mais, ou alors peut-être que il pense que c'est son dernier combat, qu'il n'en a plus rien à foutre. Qu'en plus, lui, bon, bah, c'est un homme d'un certain âge. En plus, euh, il a l'influence et l'omniprésence de Shikiru. Euh, Est-ce que peut-être qu'il n'a pas nécessairement envie d'y aller, mais il y a personne d'autre que lui, quoi qu'on en pense. Et la seule chose, c'est, par contre, Bompard. Bompard, je pense, ne s'estime pas présidentiable. Ou alors, il n'est pas seulement un homme d'appareil, il est aussi un illuminé. Or, le... Euh, euh, il peut tenter de faire le coup du Pôle Trotskiste. Hein, C'était l'argument que tu m'avais donné. C'est terrifiant d'ailleurs si on en est là, parce que qui dit Pôle dit retour vers le PS, c'est-à-dire d'aller prendre à la pelle et au petit balai des gens aussi sémillants qu'Olivier Faure. Euh, d'aller reprendre évidemment d'aller euh, euh, prendre les sorcières les demi-dingues et euh, Sandrine Rousseau hein, donc euh, et résultat bah, tu termines dans le euh, si tu veux euh, que, à une époque on disait de la roseau point à la fistinière et euh, eh bien euh, là, tu, là tu termines euh, disons de la euh, de, de tu vois, tu termines dans la gauche dans la gauche HP bon c'est-à-dire dans la gauche zo Mmh. Euh, dont le pouvoir a impérativement besoin. La gauche américanisée, en plus, c'est finalement le Alors, trotskisme de financé façon... depuis Washington, et finalement on y revient. Oui, bien sûr, c'est la, la thèse de la croix sur la scission de, 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 de FO et de la CGT. Bon, le, euh, ça a été vérifié, le patron de, de, de FO, donc Bergeron, Bergeron, avant de mourir, et je renvoie les, les auditeurs à ce document qui est monstrueux, que j'utilise dans mes recherches, Bergeron, avant de mourir, il donne premièrement, il donne ses mémoires aux éditions du Rocher, la collection de Stéphane Courtois où D'accord, bon, Stéphane Courtois, on est dans le Mao Spontex devenu néo conservateur et qui là vient de faire un bouquin euh, avec la mère à contre Poutine, bon euh, CQFD euh, tout simplement parce que euh, lui il était devenu Mao comme tu le sais un Mao c'est un Stalinien au carré parce que son père est un Stalinien, un Stalinien de folie donc à un moment je pense qu'il faut sortir de l'Oedipe quand on fait de la recherche, je le pense sincèrement. Et euh, alors, il sait même dire Waco, etc. Enfin, il, a, il, a, il a possédé tous les milieux de droite avec l'affaire du livre noir du communisme. Et d'un côté, vous vous êtes fait baiser, c'est bien fait pour vos tronches, euh, par ce genre de type. Aujourd'hui, il vous crache à la gueule parce que euh, vous voulez la paix avec la Russie. Mais lui, il est resté sur sa ligne, c'est vous qui vous êtes fait avoir. Donc... Ah, comme quoi le, le prisme du nationalisme contre le communisme, c'est toujours, euh, toujours une connerie. Non, non, mais c'est toujours une connerie. Le, euh, et il demande, il enfin, de, il, il, il veut répondre à une longue interview dans quoi Dans le choc du mois Magazine de gauche mais inconnu à l'époque. Et alors, il a, deux, il a des phrases terribles, j'en oublierai jamais trois. On lui dit Mais vous avez touché l'argent de la CIA Ah bah oui Tu <laughs> sais, il m'avait fait le même coup que Robert Ménard la première fois qu'il est venu au cercle. Robert Ménard, il arrive au cercle tous les gamins veulent sa peau il sort de Reporters sans frontières et il commence le truc en disant On vous a dit que j'ai été payé par les Américains. Et c'est vrai. Et là, je me suis dit, putain, route pas, bravo. Alors là, là mon gars, là, là je me suis dit, toi, t'es un bon. Si tu veux, Et là, il exactement la même chose. On lui demande sur la participation du général de Gaulle. Là, et il dit, oui, mais vous savez, moi, la lutte des classes, c'est mon boulot. Ça, c'est ce que Peggy appelait le lutisme de classe. C'est Hervé Dumont en caméra café, c'est-à-dire le faux syndicaliste, vrai copain avec le patron, mais qui de temps en temps euh, joue le, le, le gauchiste en chemisette. Et cogne hein, sur Sylvain vois, quand même, vois. parce que c'est quand même marrant de cogner sur Sylvain. Voilà, ouais, et cogne co co <laughs> sur Sylvain, tu vois, cogne sur le pauvre comptable, tu vois. Et de l'autre côté, tu, tu vois, le, le, et il termine par ne me saoulez pas avec l'éminente dignité des pauvres. Et. Quand tu as compris ce dont ces gens-là sont capables, tu vois jusqu'où peut aller une certaine trahison social-démocrate. Euh, je pense qu'ils liquideront Mélenchon parce que Mélenchon n'est pas capable d'aller jusque-là. Je, je ne le pense pas en tout cas. Et euh, donc ils, ils vont à un moment essayer de le liquider, mais peut-être que c'est lui qui attend de pouvoir euh, égorger des gens parce qu'il n'a pas l'air de vouloir lâcher poil de carotte. Euh, parce que je pense qu'il voit dans Catnins son héritier, quoi qu'on en pense, parce que Mélenchon est à la recherche d'un héritier, depuis qu'il a perdu de la pierre, c'est son obsession, et que euh, et Bompard peut pas l'être, mais Bompard, lui, flotteur gauche de la Macronie. Il a quel âge Bompard 45 ans Oui, un petit peu plus, je pense. Un petit maintenant. peu plus, 50 oui, 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 oui. Bon, 20 ans dans l'opposition contrôlée, ça lui irait bien, 20 ans au Parlement européen, par exemple. Hein c'est oh, du à bon. l'Incrivine en fait. Hein, c'est oui, du à l'Incrivine. C'est à Si tu veux, en plus l'avantage c'est que bah, ils sont bar, dans l'un des multiples bars des députés qui est à Bruxelles, hein, euh, et ils contemplent les spectacles de Bruxelles par exemple euh, Yannick Jadot et son sa cohorte de, 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 de jeunes ménestrels de 19 ans euh, qui piaillent derrière lui. Alors lui il est très content d'être là et d'ailleurs il ne demande qu'à y retourner. D'où sa mauvaise campagne parce que la vie politique nationale ne l'intéresse pas. Yannick, je pense que ce qui l'intéresse surtout, c'est ce monde sympathique des ONG écologistes où euh, je pense qu'il peut se sentir comme un renard dans un poulailler. Et, <laughs> hein, et euh, j'en dirai pas plus, mais il sait comme moi qu'il a un me qui peut lui arriver droit dans, dans la tronche. Mais c'est la faute hein. du renard si on lui donne les clés du poulailler aussi. Ah, mais euh, t'en fais pas. Mais par, mais par contre, euh, je pense que. N'oublie pas que c'est le pire de la France insoumise qui a exigé de élever que Sandrine Rousseau est une circo gagnable à coup sûr. Donc, je pense que ceux qui sont dans le marché identitaire et donc dans le macronisme de gauche, faut, faut, faut arrêter, ont déjà leur plan. Le problème, c'est qu'ils ont peu de troupes. Je sais de, de sources sûres que Clémentine Autain a essayé de, de faire un symposium avec ses troupes dans un bar parisien il y a quelques semaines et qu'elle n'a eu que 25 personnes. Donc c'est un peu, ça va être un peu juste pour euh, décaniller. Euh, le leader Massimo non, ça... Il y a quelque chose que je ne comprends. Enfin, moi, Clémentine Autain, je l'ai eu en prof quand j'étais à, à Sciences Po. En hein. deuxième oui. année, j'ai eu, eu cours avec elle. Qu'est-ce que le féminisme bon, euh, bon, Le parti de Tout. gauche, je le connais assez bien, au oui. euh, bon, Conseil national. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi qui ai vécu en banlieue toute ma vie, pense-t-il véritablement qu'ils vont réussir à allier le féminisme la question transsexuelle, euh, voilà, le mariage pour tous, euh, les bébés éprouvettes, euh, mmh. les gamins avec des vagins artificiels, enfin des utérus mmh, artificiels, machin. Mmh. Est-ce qu'ils pensent véritablement qu'ils vont réussir à allier tout ça avec les jeunes de banlieue Parce que, disons-le, on est entre nous, on va dire, hein, mais disons-le entre nous. En vérité, beaucoup de jeunes de banlieue pensent comme nous. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose de fort, un projet de société cohérent, une justice qui soit véritablement une justice, ils demandent plus de dureté. Il y en a beaucoup qui pensent comme nous. et qui, par Alors contre... En tout cas, il y en a il y en a quelques-uns. Moi, si tu veux, je n'ai pas d'éléments de, de, pour, pour, pour quantifier. Il y en a. Je ne, je, je ne dirais pas, parce que pour ce que j'ai vu, ce qui est arrivé au camp, dans le camp national, à tous ceux qui ont, qui ont tenu cette ligne. Euh, je ne dirais loin que c'est un, major... un fait majoritaire, mais tout comme la francophobie exacerbée n'est pas non plus un fait majoritaire. Je pense que. Une partie des populations qu'on appelle, qu appelle les banlieues, déjà, il y a, je pense, des banlieues et pas la banlieue, mais sont avant tout, il y a un côté poulpe, comme me le disait un de mes amis, Sofiane, qui se reconnaîtra. Euh, il y a un côté poulpe qui prend une partie non négligeable de la population, euh, qui les dépolitise, et ça, c'est vraiment le legs du PS des années 70-80, très nettement. Mais, et poulpe, mais qui ne prendront quand même pas cette ah idée de gauche parcardienne ou. Par contre, par contre euh... Poulpe, euh, ceux qui pensent que. Ils vont faire partager la cour euh, euh, de euh, la festinière et de la mosquée, vont vers des déconvenus assez sévères. Donc ça, j'en suis, euh, ça, je, je te l'accorde bien volontiers, mais je pense que ils ont derrière quelque chose qui n'a jamais été cotérisé dans la pensée de la gauche française et dans la pensée des différentes euh, de, de, de la social-démocratie. Euh, c'est que justement, la social-démocratie, il ne faut pas oublier que c'est le surmoi de la bourgeoisie se pensant généreuse. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui la, la différence avec euh, la bourgeoisie droitière ou démocrate chrétienne, euh, c'est une sorte de, euh, de surmoi euh, chrétien, mais d'un côté plutôt... Christ éducateur, tu vois. C'est-à-dire, je suis là pour t'apprendre la vie. Oui, ça s'appelle la tu colonisation. Vois, en fait. tu vois Et ça a donné, donné l'école coloniale. Et oui, alors je que pense qu'ils n'ont jamais cotérisé ça. Ils ont jamais ça. Ah, mais de toute façon, la plupart des nationalistes ont été historiquement opposés à la colonisation, hein, c'est la phrase. Alors, il est vrai, c'est une phrase d'époque, donc elle choque aujourd'hui. C'est le slogan des nationalistes face à, aux volontés des républicains de prendre entre autres l'Algérie. C'était euh, je veux récupérer mes deux sœurs, l'Alsace et la Lorraine. Vous m'amenez 20 domestiques. Donc le. Euh... c'est à dire que c'est vrai que nous, on leur parle quand on parle de ces, de ces jeunes de troisième, quatrième génération d'immigration, on leur parle comme à des adultes. Mmh. Alors que Manuel Valls, quand il va en banlieue pour promouvoir un nouveau plan, il leur dit ⁇ Je vous crée un certificat pour devenir danseur de hip-hop ⁇ C'est une vraie histoire ça. ⁇ mmh. Je vais vous créer un certificat pour devenir danseur de hip-hop ⁇ On les traite comme des, comme des gamins, alors que nous, on les traite comme des hommes. C'est-à-dire ⁇ Comportez-vous comme des hommes, mais vous serez sanctionnés également comme des hommes mmh. si Bien vous sûr. ne respectez pas les règles. Bien sûr. La seule chose... ⁇ On leur, je, leur dit ⁇ Moi, hit, je, je vois fait, je... Volé par la gauche. Bah, D'un certain côté, coup... et d'ailleurs, une partie moi j'ai eu il n'y a pas longtemps quelqu'un que j'embrasse d'ailleurs parce que je sais qu'elle va voir cette vidéo euh, Elvire euh, qui euh, aimerait euh, qui, a, qui a caresser le, le projet d'avoir un cercle Aristote dans un coin un peu raide de la banlieue parisienne et euh, je sais, et d'ailleurs mon ami Jean-Paul Gourevitch qui arpente les banlieues depuis plusieurs années parce que c'est un spécialiste de la diaspora africaine interne le dit assez souvent il y en a une partie qui est totalement défrancisée, donc cela, de toute façon, ça ne pose pas de problème qu'ils partent. Mais il y en a une partie qui est à la recherche de cadres. Nous, on leur propose ça. C'est d'ailleurs pour ça que ce que... Euh moi, je vois des évolutions. Je l'avais dit, pas... dit, là encore, c'est drôle, ça n'a pas, euh... pas fait hurler mes détracteurs <laughs> habituels. Alors répète-le. Dommage, <laughs> donc je vais le répéter. Euh, je vois, par exemple, et j'en reparlerai une fois que j'aurai lu son livre, il sort le 20 janvier, donc je, ne... euh, je vois l'évolution de gens qui ont été mes adversaires et qui ont été mes ennemis, je pense au royaume par exemple, euh... qui évoluent d'une manière que je ne peux pas euh, que je ne, peux pas, euh, je ne peux pas ne pas prendre ça en compte. Je ne peux pas ne, pre ne pas prendre ça en compte. Ensuite, euh, moi, je, je le dis, mon ami Driss Aberkane, d'ailleurs, me, me le dit, il dit, euh, je, ton discours passe énormément chez, dans, dans une partie du, des publics maghrébins que lui connaît, vu que c'est les, euh, les siens, euh, alors que titre personnel, je ne fais aucun effort. Moi, si tu veux, je, je leur dis, euh, comportez-vous en français, vous serez traités comme tels. Euh, comportez-vous en étranger, vous serez traité en étranger. Mais c'est déjà Alors, beaucoup mieux que ce que dit la gauche depuis 40 ans. Euh, C'est-à-dire comment c'est un message clair. C'est un message qui, voilà, comportez-vous en français, vous serez jugé comme tel. Si, si et, tu veux, je, et, et je pense qu'ils n'ont jamais coupé le cordon du, du colonial éducateur. C'est-à-dire, euh, je t'apporte les lumières de loin et d'en haut euh, parce que j'appartiens à cette bourgeoisie extraordinaire qui a eu les tables de la loi démocratique. Alors, euh... en, parlant, en, en parlant des tables de la loi démocratique, on en a parlé quelques minutes, euh, de Manuel Bompard, qui donc siège à, à, à Bruxelles, enfin, mmh. mmh. du coup à Strasbourg, mais mmh. donc dans l'hydre mmh. bruxelloise. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce scandale de corruption qu'on a découvert donc, il y a quelques oh. semaines <laughs> euh, De la vice-présidente du Parlement mmh. européen. Donc, mmh. on, bah, en même temps, on a découvert qu'une qu élue grecque pouvait être corrompue que je trouve quand oh. même assez exceptionnel, c'est-à-dire que mais, <laughs> Moi, c'est simple, le soir même... Grec et de gauche. Le, le soir même, mes équipes peuvent en témoigner, mais je l'ai dit publiquement, la seule chose qui m'a gêné dans cette affaire, c'est... Et ça roule, j'ai eu exactement, et crois-moi sans se concerter, même si j'ai énormément d'admiration pour cet homme, euh, on a eu exactement la même réaction avec le juge Renaud Van Rimbeck. Quelle idée de prendre des, de prendre des valoches <laughs> Vous, vous faites de la corruption comme il y a 50 ans. Maintenant, il y a, on, vous, avez des, vous avez des cartes intraçables émises par des États du Golfe. Pourquoi vous vous faites chier avec des valoches de billets à la maison Alors, si on rappelle on... simplement, on a découvert donc du coup des fonds euh, qui appartenaient donc euh, au Qatar et au Maroc, mm -hmm. qui auraient été donc retrouvés chez la vice-présidente du Parlement européen, également chez son compagnon exact Et on a également un lien avec un eurodéputé italien, mmh. tout autant socialiste, qui en plus avait le bon goût de diriger une association, euh, une ONG, euh, pour oh. la défense des droits humains. Oh bon bah, bah, en bah, étant tu as... payé par le Qatar Oui. Non, mais, mais le, le, le Qatar est un état euh, comment dire euh, progressiste. Pas assez cher, mon fils. Mais le... non non mais, mais progressiste si tu veux le progressiste par exemple tu vois par exemple tu vois, les, les je crois euh, 6,000 mille pauvres Népalais qui, euh, qui sont et qui sont morts. Ouais, ou durant les. Euh, et, et bien, si tu veux, ils ont eu une sépulture sportive définitive, ce qui est mieux que ce qui les attendait dans les années 80 quand ils étaient, euh, oui. tu vois, quand ils étaient enterrés euh, sous une dune dans le désert. Tu vois, il y a, il y a un progrès, euh, l'émir est grand. Et d'ailleurs, je vais te le dire, je rappelle qu'au Parlement européen, le Parlement européen met en danger nos ressortissants depuis plusieurs années. Parce qu'à la plénière de Strasbourg, trois pays sont, sont sanctionnés, c'est-à-dire leurs dirigeants, parfois leur population, sont sanctionnés pour atteindre aux droits de l'homme. Alors il y a toujours un État africain, un État latino-américain, c'est simple, c'est le Venezuela qui passe tous les deux mois, un État asiatique. Alors moi je me rappelle d'une année où ils ont attaqué le pauvre petit royaume du Cambodge euh, trois fois. Pourquoi Parce que le royaume du Cambodge est un allié forcé de la Chine, déjà. C'est pas un allié de... Il faut voir que le, le, le regretté roi Sianou qui a terminé sa vie en Chine, et... Euh, c'est l'allié le plus faible de la Chine. C'est simple. Et c'est pour ça qu'on va attaquer ce pauvre petit en disant en Hun euh, uh, Sen, ce monstre Khmer Rouge, quand il avait, il avait 15 ans, quand il était Khmer Rouge. Il était officier de son régiment et à l'époque, on était Khmer Rouge ou mort. Je, je connais un peu le, le coin. Donc... Euh, et moi, j'ai vu j'ai Hun Sen mettre fin au bidonville. Et j'ai vu les bidonvilles revenir dans mon pays, en France. Donc j'estime que les gens qui mettent fin au bidonville n'ont pas à recevoir de leçons des gens qui réinstallent des bidonvilles. D'accord Surtout qu'en 20 ans de règne, Hun Sen est ce qu'il est, il y a eu un opposant politique qui est mort lors d'une fusillade. Un. C'est un de trop, je te l'accorde. On fait le bilan de François Mitterrand ah ben le, il y a qui meurt en ayant les mains attachées dans le dos et vraisemblablement un suicide. C'est ce qu'on appelle du contorsionnau socialisme. C'est beau un homme de gauche qui va jusqu'au bout. Et donc <laughs> le, euh, donc, le et disais. encore et encore, bah, gros ouvre euh, ne venait pas de la gauche. Il s'y est fait. Donc <laughs> le, pour ceux qui connaissent le pedigree du personnage, mais le, mais tu une vois, façon, se noyer aussi mais dans dix cm d'eau. Grande tradition le, grande, grande tradition, mais tu vois, le Parlement européen se permet ça. Ça c'est colonial ça. Déjà, il se permet d'inspecter la, corru euh, la corruption des États étrangers. On va parler de deux minutes de la corruption à Bruxelles, tu vois, parce que j'en ai, ai un peu dit chez Morio, et je vais en dire encore un peu plus. Parce que, premièrement, tu ne peux pas, et c'est structurel, enlever la corruption de l'Union européenne. Pour trois raisons. La première, c'est que l'Union européenne, elle est. Et par nature, l'équivalent des plans d'ajustement du FMI. Par nature, ce qu'est en train de vivre l'Italie, ce qu'a vécu la Grèce, ce que vit la France, ce que vit l'Espagne. Or, depuis que l'Italie, par exemple, a eu sa croissance industrielle gelée à partir de 2000, je ne sais pas ce qui se passe en 2000, c'est peut-être un changement monétaire quelconque, je n'en sais rien, mais l'Italie, qui est un pays très industrieux, un hein, deuxième industrie de la zone. Hein, n'arrive pas et Dieu sait pourtant que les Italiens y travaillent à faire à monter encore en gamme industrielle pourquoi là les chiffres sont très nets il y a un gel italien à partir de l'euro et il y a les fameux bilans enfin les fameux les fameuses balances target qui fait que l'Allemagne fonctionne à peu près 700 milliards d'euros sur l'économie italienne par an et l'Allemagne pense que cet argent est exigible aux contribuables italiens. Je pense que dans quelques années, l'Allemagne aura un mauvais réveil. Mais ça, que veux-tu hein, C'est le peuple des charmeurs de rats d'Amelin. C'est toujours le réveil qui fait mal chez eux. Hein Surtout qu'on a quelques camarades maintenant qui sont élus au Parlement européen, au Parlement italien, pardon, italexiste notamment. Mmh, le, tout, à fait, les, tout à fait. Des gens qui sont favorables là, à la sortie à fait, de l'Union de, de européenne. Mais il y a un fait qu'on ne dit jamais assez. Le premier récipiendaire de l'aide européenne sur le sol italien pour ce qui est entre autres de la PAC. C'est la pieuvre. 1. 2. L'hybridation de l'économie italienne avec la pieuvre va de pair avec l'européanisation. Pourquoi Parce que quand un pays s'effondre, il a toujours la tentation... Ça a été le cas de, de la Colombie des années 80, quand elle a été attaquée par les, les économistes néolibéraux. C'est les cartels de Cali et de Medellin qui payaient les sûr. fins de mois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur a foutu la paix. Et là, tu as une hybridation de l'économie italienne. Certaines estimations de certains, de, de, de certains services vont jusqu'à quand même euh, que. Un poids de la pieuvre équivalent à 40% du PIB italien. Ah oui, enfin, on n'est pas, on est, on est pas dans rien du tout. On est... Donc dans quand 40%... 40%, maintenant c'est bah, euh, 10, euh, oui, oui. 10 points. Et ça, euh, si tu veux... Et, et, et l'Union Européenne fait pareil partout. C'est arrivé en Grèce. Les mafias de, les, les mafias alors balkaniques suite au, tu sais, le mmh. fameux projet des Balkans occidentaux germaniques, <laughs> mais les mafias d'Europe de l'Est n'ont jamais été aussi bien implantées. Qu euh, regarde ce qui arrive à l'économie française. Regarde le narco-État belge où maintenant et néerlandais où maintenant une mafia dit publiquement qu'elle peut foutre une balle dans la tête du premier ministre et faire enlever la, 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 la princesse de la famille royale néerlandaise. C'est François Bernard Wicht l'a traité chez nous. Est-ce qu'on aurait cru qu'on aurait l'équivalent d'un narcos sur sol européen aux Pays-Bas enfin, Si tu veux, euh, à la base, aux Pays-Bas, on se des tulipes. Ouais, bon, on a fait du chemin. Non, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que finalement, il y a une espèce d'hybridation entre le féodalisme, la création d'une de grande féodalité de l'Union Européenne et le C'est logique et la mafia, en fait. Et d'ailleurs, je te rappelle que l'Union européenne a demandé aux États membres d'inclure la prostitution et le trafic de stupes dans le ouais. calcul du PIB. Sur la prostitution, ça peut tout à fait se discuter. Parce que, moitié de personnel, de poursuivre, euh, de, poursuivre de, de pauvres nanas pour qu'elles qu exercent euh, le, leur activité en danger et donc. À proximité de réseaux de proxénètes, je pense que ça n'a jamais marché. Euh, les Grecs anciens ont tenté de, de, de faire interdire la, 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 la prostitution, ce que Platon et Aristote sont pas arrivés à faire. Si tu veux, c'est pas Gérard Darmanin qui va le faire, <laughs> d'accord Bon. Donc, euh, par contre, les stupes, je, je suis désolé. Inclure dans le calcul du PIB quand tu es dans des pays qui ont une religion de l'économie, c'est légitimé. Et si on légitime le stup, là, on ouvre des portes qui ne se refermeront pas et tous les États qui l'ont fait, Pays-Bas, Californie et autres, sans mordent les doigts l'Espagne e durant les années 80 alors pas une, ça n'a pas été une légalisation ça a été une autorisation en vérité mm -hmm. à Madrid la fameuse Movida madrilène et toute une génération est en train de le payer la génération des gens qui ont maintenant une cinquantaine d'années qui étaient à l'époque dans la, dans la Movida madrilène il y a toute une génération de camés de drogués de, 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 camé, de, drogué, de, de mm -hmm. gens extrêmement dangereux d'ailleurs pour eux-mêmes et pour les autres mm -hmm. à Madrid qui errent depuis ces époques-là c'est catastrophique la légalisation ou l'autorisation tacite ne mène pas à une réduction et du évidemment. fait euh, — Évidemment. Évidemment. Donc là, si tu veux, tu as déjà ce premier fait. C'est-à-dire que comme tout plan d'ajustement et toute politique qu'on appelle politique dite de rigueur... Mais en réalité, la politique de rigueur, c'est assez simple. C'est de faire payer aux populations des parts de crise économique faites par d'autres. Donc si tu veux, tu brises les circuits internes de l'économie pour les inclure dans l'économie internationale par une politique... Que tu paieras politiquement parce qu'elle est injuste, par nature. Parce que tu fais banquer des gens qui ne sont pas responsables. Bon, c'est ça, une politique de rigueur. Ça a toujours échoué. Ça échouera toujours. Parce que c'est vicié à la base. 1. 2. L'Union européenne repose sur quoi Elle repose sur le plus petit dénominateur commun. Eh bien, quand tu n'as pas d'affection sociétatisme, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt européen, il n'y a pas de peuple européen, point barre. À un moment, va falloir se dire que, je vais te donner un exemple, toi tu, tu, es, tu es un spécialiste de la politique intérieure espagnole, tu sais comme moi que les Espagnols n'ont aucune envie d'avoir une politique baltique. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Bah, C'est-à-dire ah, qu'entre un espagnol et un lituanien, un estonien, enfin, je crois que c'est même Mélenchon qui le disait. Mélenchon, avait cette phrase qui était très drôle. Il dit Moi, je me sens quand même beaucoup plus proche d'un latino-américain ou d'un maghrébin que d'un estonien. Ah, je sais, Donc, Dieu bon sait bon, Dieu est que ça même. lui a été. Que ça que ça lui a été un peu C'est un même d'ailleurs. Oui, je sais. <laughs> oh, oui, méchant, 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 <laughs> méchant garçon. Méchant garçon. Méchant garçon qui est vilain. Mais le. le, le... C'est pas gentil pour elle. Mais le. Le problème, c'est, tu vois, de l'autre côté, un pays comme la Suède est indifférent à la politique méditerranéenne. Si tu veux, un pays comme l'Italie, quand, quand tu parles, euh, moi j'ai eu des collègues italiens, quand tu leur parles de l'intérêt euh, polaire, oui, la France, oui, eux, non. Eux, non. Le, les Italiens ne sont pas traversés dans les glaçons, bon, point barre. Donc, tu ne peux avoir que le plus petit dénominateur commun. Eh bien, quand tu n'as que le plus petit dénominateur commun, la corruption devient nécessaire pour fluidifier le rapport. C'est logique, tout simplement, parce que si il n'y a pas de dénominateur commun politique, il y a au moins un dénominateur commun évident qui est le blé. On se croit dans le blé. La consommation, on y revient finalement. Voilà. La corruption, donc l'argent qui corrompt tout. Là. On en revient oui. sur l'histoire mmh. de Mélenchon, de Lula. Et maintenant, si, vu qu'on parlait de drogue, on ne peut pas ne pas parler des Balkans. Mmh, euh, c'est quand même une bien situation sûr. assez terrible qu'on ah voit non, ces derniers temps. Je, juste attends, juste une, une chose. Dernier point pour bien finir. Et un dernier, une dernière chose qui ne peut que faire de l'Union Européenne un fait corrompu, c'est que l'Union Européenne repose sur quoi sur un fait, on va être qui est déjà dans le traité de la Ceca. Dans le traité de la Ceca, tu as un, un article qui a été repris dans tous les traités européens qui dit les commissaires ne doivent jamais dévier dans les grandes lignes. Je, on vous remettra le texte intégral. Ne doivent jamais dévier de leur vocation supranationale et donc ne doivent jamais avoir de euh, prendre d'ordre de quelconque euh, état que ce soit. Édouard Herriot se lève à l'Assemblée sous les applaudissements et dit, nous allons donc faire une prime à la déloyauté, et tout le monde sait que dans l'axe atlantique, tout le monde ne, ne jouera pas ce jeu-là. Comment veux-tu Tu as fondé ça, ce système sur la déloyauté. Alors, on en veut à une pauvre petite grecque. D'avoir des valoches de fric, mais enlève les valoches de fric et Bruxelles s'effondrera. Et d'ailleurs, je termine là-dessus. Pourquoi cette affaire est sortie On va être très clair. Nous sommes en Belgique. Le parquet belge, saisi en juillet, six mois après, a des résultats ça aurait, bien, ça aurait été très utile à l'époque de l'affaire du trou. Oups. Or, pardon, <laughs> Hop, oh, dérapage. Hop, euh, le, le, de... Il faut être très clair. Quelqu'un à balancer c'est pas interne à l'eurocratie je pense que quelqu'un a visé le qatar pour une raison c'est que le qatar en ce moment pose un autre problème que celui du ballon rond pose un problème dans sa volonté de ne pas sanctionner de ne pas se mettre en travers de la route de moscou par rapport au marché gazier et donc alors que tout le monde était au courant que le qatar corrompt tout le monde hein, pierre péan le grand pierre péan a écrit un ouvrage définitif là-dessus dont euh, tu as un ressuscé chez Chénaud et Malbruno. Pierre Péan a pu écrire aux éditions Fayard, sans être démenti, que l'émir du Qatar se, pointe, se penche vers lui et lui dit « Sarkozy est quand même un gras. Moi qui ai payé son divorce, pardon. Pardon. » L'émir du Qatar, personnellement. Nicolas Sarkozy n'a jamais dit non. Alors pourtant, là, il a le temps, hein, mais mis à part à son petit bracelet qu'il a à qu la lâché, il n'a pas grand chose à faire. Mais la, hein, Et puis, euh, on ne peut pas dire que sa chute soit moins de son torse, donc -tu, il n'a pas grand à faire. Il n'est pas très gentil pour le peuple des hobbits que le, je leur de vous présenter le, ce le, soir. Le, si tu, non mais tu, tu comprends le problème. Donc, et tu ne peux pas, tu ne peux pas enlever. Le système européen, c'est ce que j'ai dit chez Morio, n'est pas corrompu, il est la corruption. Pour faire la transition avec le cas des Balkans Alors, si tu, si tu veux bien, on reprendra le cas des Balkans juste après. On va faire d'abord une petite pause et ensuite on reprendra sur les Balkans par la suite. sujet des. Des Balkans mais avant toute chose on va remercier euh, les différentes personnes qui euh, se sont abonnées. alors je vais le retrouver donc on remercie Ogma 57 anushka 123 RB 4122 Celui-là, plus dur Intragen Valoris trust également Silar 14000 Silto également le souverain donc qui euh, doit, avec deux abonnements donc euh, deux fois plus de, de merci on a Florian bébé Doralex Pipi Et disons, avec les noms euh, vous venez pas beaucoup quand même hein euh... Euh, F. Galpin, Divix37, Nico le, le, le Pangolin, hein, donc euh, deux abonnements hein, pour lui et pour le Pangolin, certainement. Merci Nico le Pangolin, KC Marcus et un camarade. Anonyme. Donc, merci beaucoup. Donc, on, on revient maintenant. Euh, je me rends compte, on m'a euh, dit, tu ne t'es pas présenté. Donc, David euh, Rodriguez, euh, j'ai l'honneur, le plaisir, euh, la satisfaction de pouvoir euh, euh, faire ce petit grand entretien, enfin, ce grand entretien avec toi, euh, Pierre-Yves, je te remercie. Euh, et donc, sans transition, passons directement au sujet des Balkans qu'on avait laissé un peu en suspens. Euh, alors, les Balkans, on parlait de mafia, on parlait d'Union mmh, Européenne. Bien sûr. Bon, on peut parler des Allemands comme d'habitude. Bah, de, 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 de toute façon, de toute façon. Juste de... pour faire un petit opposé sur les Balkans. Non, sur mais la, là, ce, qui est, ce qui est en train d'arriver, c'est le pourrissement de la situation balkanique, euh, avec bon, la question extrêmement douloureuse de la, de la République serbe, donc euh, la, la situation monstrueuse que vivent les, les Serbes de l'entité kosovare. Vu que, je le rappelle, un kosovar, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un Albanais. Mmh. L'Albanie, ça existe. C'est un pays. C'est un fier peuple montagnard avec les, les mœurs politiques euh, et, la rugue, la, et le caractère rugueux de certains peuples des montagnes euh, qui font euh, que c'est un peuple euh, qui sait intimer le respect. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Pour toute personne qui, avait, qui a été un peu en Grèce, euh, ce qui est mon cas, tu, tu, tu vois leurs marques un peu partout. La seule chose, c'est qu'en réalité, on a voulu. Ça a été euh, l'impérialisme euh, Vatican, Bosch plus américain qui s'est exercé sur cette zone en, en détruisant la Yougoslavie. C'est d'abord la destruction des accords d'Helsinki par le fait que l'Allemagne a reconnu euh, les scissions territoriales alors qu'on lui demandait rien. Ça a été le début euh, de l'horreur qui nous a amené après à la guerre de Bosnie, qui nous a ensuite amené à la guerre dite euh, du Kosovo. Je rappelle que le Kosovo n'existe pas. Et d'ailleurs, beaucoup de pays ont l'intelligence de ne pas l'avoir reconnu. C'est par exemple le cas de nos amis espagnols. Et euh, parce qu'ils savent qu'à la minute où ils le feront, euh, il y aura bien un petit malin pour euh, reconnaître euh, des euh, sécessionnistes au sein qui menacent l'unité de l'Espagne. Et, euh, et nous avons mis là à la fois un narco-État euh, salafiste. Je rappelle que les Albanais du Kosovo ont été un des plus gros contingents européens livrés à l'État islamique et euh, d'ailleurs par tête de pipe le plus gros juste avant la Belgique, euh, au prorata de la population, hein, au prorata. Et, euh, et euh, bien sûr un narco-État, alors il n'est pas le seul dans la région, le Monténégro aussi est un narco-État, et euh, avec la plus grande base américaine sur, ce, sur un sol d'un État de l'impédance européenne, qui est la fameuse base de Bond Steel, qui est reconnaissable parce qu'on qu'elle est suffisamment grande pour qu'on s'y déplace avant tout par hélicoptère. Donc, si vous voulez, c'est pas la niche du chien. Et on a laissé l'UCK, qui est donc la mafia albanaise fortement islamisée, euh, on a euh, laissé ces gens-là se défouler sur les, pe les peuples, les, les, les Serbes restants sur ce territoire. On leur a même donné le gouvernement. Enfin, les membres de l'ODGK ont été Bien nommés sûr. au gouvernement. Bien on sûr. parle de Là. gens, pour clarifier, qui vendent des organes. Hein, c'est mmh. le don d'organes, leur truc. Mmh. La drogue est le don d'organes. La drogue est le don euh, d'organes. Je le rappelle, c'est le rapport remis au Conseil de l'Europe par un conseiller suisse. C'est euh, le rapport Dick Marty, et euh, dans lequel d'ailleurs ont été euh, nommés. Euh, Pierre Péan est un grand spécialiste de ça, qui est vraiment un homme extraordinaire. Je renvoie aux œuvres de mon ami Alexis Trude, que d'ailleurs tu vas certainement recevoir dans, dans ton émission. Si je peux et également si... rajouter éventuellement le martyr du Kosovo aussi de Nicolas Mirkovic ah, du, 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 du camarade Mirkovitch. Alexis Trude et, et Nicolas Mirkovic sont donc les deux spécialistes qu'il faut lire. Aujourd'hui, il est très clairement, tu sais qu'on a eu une grande école balkanique dans le camp souverainiste. Hein. Moi, je, ça a été l'un des dossiers que j'ai eu le plus, le plus longtemps. Moi, j'ai été formé à ça quand j'étais tout petit parce que c'était ça a été notre grand combat euh, face d'ailleurs à une partie de l'extrême droite qui était par euh, reliquat euh, Germ germanique qui était pro croate alors que aujourd'hui les croates il faut le dire, c'est un peuple qui a énormément réfléchi sur la guerre des Balkans. Euh, d'ailleurs, c'est un peuple dans lequel le sentiment européen s'est effondré en quelques années. Et c'est un peuple qui, euh, moi j'ai rencontré des, des souverainistes croates. Ça a été d'ailleurs un souvenir assez douloureux parce que ce sont des gens qui, qui, qui sont, tu sais, ce que Milan Koudera appelait le nationalisme des petites nations, c'est-à-dire les nations qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Mmh. Tu vois, par exemple, les, les belles îles de Croatie, il euh, y a quelques... Dizaines de milliers de Croates dessus. Et l'homme qui était en face de moi me dit le jour où l'Allemagne voudra peupler ça de migrants, qu -ce, qui s'interposera Et, le... Et malheureusement, euh, euh, le problème, c'est que nul ne peut parier sur l'absence de folie germanique. Or, le, euh, là, pour le coup, toute personne qui a parié contre, si tu veux, c'est un peu que, tu sais, comme dans Il était une fois le bronc, c'est Joe Lapoisse. Celui, dès qu'il fait un pari, sa foire, bah là, c'est pareil. C'est la Valls dans une élection. C'est Emmanuel euh, Valls dans une, Manuel... <laughs> une élection. C'est Manuel Valls dans une élection. Alors, nous avons pourri cette région. Et là, une partie de, des, des Serbes commence parce que de, de guerre lasse, à euh, vouloir se défendre. Ils ont évidemment. Ils ont les yeux tournés vers Moscou. Nous n'aurions jamais dû, et d'ailleurs c'est l'honneur du camp souverainiste d'avoir défendu euh, nos frères serbes jusqu'au bout et toujours aujourd'hui, euh, et le, euh, nous n'aurions jamais dû nous avions tout prévu là-dessus et là que grâce soit rendue à, à nos grands combattants tombés je pense à Komnen Bectirovic qui était un ami je pense à, à Bogdan qui était un ami euh, tous ces gens-là ben, sont, sont des combattants tombés aujourd'hui maître Jacques Vergès qui est un grand avocat de la Serbie et euh, et on va remettre une pièce dans le jukebox à la faveur de, de la contagion du pourrissement de l'affaire ukrainienne Il hein. faut être très très honnête hein. mais là pour le coup euh, même si euh, la République de Serbie euh, ne veut pas que les Serbes se défendent trop en République Srpska, parce qu'elle est tenue par les entre autres les, les fonds de préadhésion européens, mais euh, tout le monde regarde vers la réaction de la Russie si quelque chose tournait mal. Et... Euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre quand même très au sérieux, la question de la Serbie. C'est quand même le déclencheur de guerre mondiale, euh, accessoirement, historiquement, pour ceux qui ont un et peu de mémoire. Et euh, puis, symboliquement, le kosovo parce que oui. c'est quand même le, le, le berceau, en fait, de la, de la résistance serbe, d'abord. C'est la, la bataille du champ de mer, là. C'est la, la bataille du champ de mer. C'est quand même quelque chose de, de symbolique très fort pour les Serbes. Et aujourd'hui, on se et retrouve. Puis, et puis, attends, euh... on a un arco état à 2h30 d'avion de Paris. Enfin, tu les as aussi sur la ligne 4, hein pas besoin d'aller aussi loin. Oui, non, mais euh, si tu veux, là, très joli. Non, mais si tu veux, tu as, tu as une plaie euh, purulente, d'ailleurs qui, que qui, qui ne, ce qui n'engage pas euh, nos, nos amis albanais. Euh, ils en sont également les victimes. Je rappelle, j'avais fait remettre, grâce à mon autre camarade Thibaut Carlerzin, un rapport sur le rôle de la mafia et de la connivence mafia-open society dans la route des migrants euh, sur les Balkans, je l'avais fait remettre quand j'étais au Parlement européen, c'est l'une des multiples farces euh, que j'ai fait, ce qui fait que l'institution ne doit pas avoir nécessairement un souvenir impérissable de ma personne, et le... Euh, mais euh, c'est pas ma faute, j'aime bien faire chier les cons, c'est mon truc. Et le... Et le... Et le, le, le vrai pro, le, le vrai problème, c'est que nous avons toute une zone que sur laquelle l'Allemagne veut mettre la main, euh, entre autres pour des raisons énergétiques, mais également pour des raisons de délocalisation de confort et d'esclaves, parce que il ne faut pas oublier que le, le, les quatre le, le, les, les quatre pieds du modèle germanique, énergie à pas cher russe, grossiste de euh, consommation intermédiaire à pas cher chinoise. Euh, 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 pion politique américain et esclave d'Europe de l'Est, euh, interlandisé. Or, euh, euh, les Balkans peuvent se réveiller. Il y a également une très très grande influence turque, qui est tout à fait logique historiquement, mais qui aujourd'hui, euh, à un moment ou à un autre, va se choquer avec nos intérêts, et en tout cas... Euh, peut-être que, exactement comme ça s'est passé dans le conflit arménien-azerbaïdjan, euh, la Russie préférera le sultan et peut-être laissera tomber les Serbes, ce qui est tout à fait possible parce que, là encore, Vladimir Poutine ne fait pas, et ce faisant, il a raison, mettez-vous-le dans la tête, nous, 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 bientôt on aura le tome 2 de ses œuvres faites par Bessonnet, et vous le verrez, Vladimir Poutine ne fait pas de politique de civilisation parce qu'on ne fait pas de politique de civilisation. À un moment, faut arrêter. La civilisation, c'est le reste religieux et sacral d'un grand ensemble territorial. C'est ça la civilisation. Donc nous, nous sommes de civilisation, comme disent, comme c'est écrit dans le Coran, pour nous, al roum Tu vois, le, les, les Romains, rien. Les, mmh. Nous sommes dans l'après. Euh, je vais essayer de faire venir le, le grand euh, Gabriel Martin Gross, qui a fait, qui a, à mon avis une des œuvres les plus, les plus séminales là-dessus. Nous, nous sommes dans la civilisation de l'Empire romain. Enfin, de l'Empire gréco-romain. Or, le... on ne fait pas de politique de civilisation, c'est trop dangereux. On fait de la politique d'intérêt et d'État pour éviter les montées aux extrêmes, pour éviter de prendre la politique comme un absolu religieux, ce qui tue moins de gens. C'est ce qu'on a fait avec Istanbul. Enfin, en tout cas, le sac de Constantinople, on n'a pas fait de politique de civilisation. On a bien laissé Constantinople à la merci de même être deux. II. Le... C'est une grande <laughs> réussite. Ouais, ouais. Ils l'ont Ils le... fait eux-mêmes. Ils, Ils avaient déjà pourri leur système eux-mêmes. Hein. Ah oui, oui non, mais, mais c'était la, la, hein. la fin. Entre nous donc, soit dit. Mais, ouais. le, 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 tu vois, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'interposer pour un peuple... Politiquement, frère, d'ailleurs, nous n'aurions jamais dû laisser la Serbie souffrir. Et si les populations serbes sont en danger, alors il faudra faire quelque chose. Sinon, c'est les Russes qui le feront et ils ne taperont pas nécessairement avec le dos de la cuillère. Sauf si Vladimir Poutine voit un intérêt russe ailleurs. Par contre, je le dis, évitons... Euh, moi, par exemple, j'ai été très choqué du, du conflit arménien-Azerbaïdjan parce que ça a réveillé tout un lobby arménien en France euh, où on dit qu'il faudrait armer euh, le... Alors que la France a, je suis désolé, plus d'intérêts matériels en Azerbaïdjan qu'elle en a en Arménie. Et quand on me dit qu'il faut armer l'Arménie à nos frais... Face à l'Azerbaïdjan, je suis désolé. Euh, J'espère faire euh, produire un, de, un des nôtres, Martin, qui, qui vit là-bas, euh, qui, qui est spécialiste de l'Azerbaïdjan. Euh, euh, je, je, il faut. On reconnaît des États, pas des gouvernements, et on fait de la, et de la politique par rapport à l'intérêt national, et on ne fait pas de politique de civilisation. Sinon. Ce sera la barbarie. c'est très étonnant parce que ces gens qui veulent qu'on fasse une politique de civilisation souvent sont les plus européens possibles, les pro-européens, pro-union européenne en tout cas possible. Mmh, et, oui, et en fait ils ont la notion d'empire en fait, c'est-à-dire que euh, mmh, ils ont derrière l'esprit toujours cette idée d'empire. C'est quand même fou cette espèce de, de ça, ça fait c'est mille ans de... ça fait mille ans que l'empire est mort en Occident et ça fait mille ans que c'est d'un objet masturbatoire. Et puis on a créé quelque-chose. plus efficace, c'est quand même la nation. Oui, mais si tu veux pour eux. Pour eux, c'est ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que quand tu vois l'attachement qu'ils ont au fait impérial, quand tu, quand tu les testes sur Rome, tu vois bien que c'est pas Rome, parce que ils comprennent rien à Rome. Oui. Rome, c'est un double système c'est un royaume et les terres de l'impérium à côté, si tu veux, le... et qui pour se maintenir divinise César, c'est la sacralité impériale, ok, mais. Il faut pas oublier qu'à la base, c'est le pouvoir du gouverneur militaire. C'est ça l'impérium à la base. Donc si tu tu vois tout de suite que c'est n'est pas Rome qui les intéresse. En réalité, c'est terrible, hein, mais pour des gens qui ne supportent pas l'Orient, ils ont un rapport à l'Empire qui est totalement oriental. Mmh. C'est-à-dire que pour eux, l'Empire, c'est la, roya la royauté euh, sacrée. Euh, mais ça, euh, je suis désolé, c'est c'est totalement oriental c'est-à-dire c'est drôle quand même pour des gens qui ne peuvent pas voir euh, qui pour qui euh, chaque oriental est un maître kebabier en souffrance donc le euh, c'est si, si tu veux c'est mais, mais ça se voit l'aspect oriental chez des gens comme Evola etc qui sont les oeuvres mmh. cardinales de ces gens-là il y a un aspect euh, si tu veux oui il y, y a un il a un aspect euh, c'est califat contre empire romain oui voilà c'est si tu veux il y, y a un aspect il y a un aspect califat le, euh, il faut. Alors, là aujourd'hui, par les Eurasiens, ils, ils aiment l'Empire à la Russe, etc. Le problème, c'est que l'Empire à la Russe, c'est encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas. L'Empire à la Russe, c'est quoi C'est une délégation de souveraineté, soit partagée avec des peuples guerriers, ce qu'est le cas des Tchétchènes, pour qui la souveraineté est avant tout militaire, mais par exemple, les peuples d'Asie centrale ont une notion très lâche pas lâche au sens quoi mmh. hein, lâche au sens de relâcher détendu. de la, de détendu de la, de la souveraineté car pour eux l'espace est un espace avant tout d'échange et leur monde c'est les vallées c'est de vallée à vallée pour tout ce qui est l'encadrement des vallées oui s'en remettre aux russes parce que euh, ils n'ont pas tu sais il y a une y a, notion y de y frontière oui de ils n'ont pas hein. voilà ils n'ont pas de notion fixe de la frontière tout simplement parce que c'est un peuple qui est autre comme disait c'est un peuple qui est autre ce n'est pas leur droit de vrai, est, voilà oui bah voilà ils ont pas le droit de c'est leur droit mais c'est leur droit en plus or et, et le souci c'est que euh, ils comprennent pas que si tu veux la Russie n'est pas un empire évolien maman faut faut arrêter les faut... malheureusement une partie de la droite c'est une machine à fantasmes si tu veux la gauche a le fantasme de l'enfance comme dit mon ami Ronninger et la droite a le fantasme de l'adolescent et en réalité euh, l'empire si tu veux c'est tu vois, c'est euh, l'adolescent, euh, euh, c'est l'adolescent euh, comme, euh, tu sais, euh, euh, j'ai 16 ans, mon père est un sale con et je vais le buter, tu vois, moi je suis un homme. Euh, en réalité, c'est l'adolescent qui fuit les responsabilités de l'État et de la nation, parce que comme ça, ce sont des notions de politique d'adulte avec des responsabilités derrière, où là, tu peux être une sorte d'ado mythomane, ce qui est le curriculum vitae de base d'une partie de l'ultra-droite européenne. Tu vois C'en est, est, est dramatique, mais euh, est, si tu veux, le, même chose. Quoi. Tu, tu, le système chinois ne les intéresse pas. Il faut dire que l'empire du milieu est avant tout un système d'état-nation extrêmement. Euh, or, or, tu vois, le terme empire n'a dans la pensée asiatique, n'a pas du tout le même sens qu'ici. Or, le, le problème, si tu veux, c'est que comme c'est une machine à fantasmes, tu vois, ils ont des tas d'auteurs comme ça, c'est Eugénio d'Or, c'est Julius Evola, c'est aujourd'hui les Eurasiens demi-délirants, euh, si tu veux, c'est... Et, et le problème, si tu veux, c'est que quand tu fantasmes pendant mille ans une notion politique qui ne reviendra jamais, tu entres dans la civilisation du rêve, qui est la civilisation de l'Orient. Nous, on n'est pas une civilisation du rêve. Tu vois, t'as une marque orientale là-dessus, de la part de gens qui ne supportent pas tout ce qui vient du monde sémite. Je suis quand même. Je, je suis subjugué <laughs> par, euh, si tu veux, ce, ce côté. Euh, rêveur, euh, tapis de prière, c'est ce qui est hallucinant avec cette, avec cette droite et je pense qu'on l'a encore vu avec le décès de, de Ratzinger il y a quelques jours, cette espèce de fascination aussi pour, pour tout ce qui est allemand hein, euh, quand même, ça va, ça va souvent de pair, le même qui te défend une espèce d'occidentalisme était le même qui défend l'Union Européenne et euh, la figure allemande euh, Oui c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Et qui ont pleuré là sur les réseaux sociaux moi je les voyais, ah, c'était ah, le, aberrant le pleurnichistant plorni-, pl et le... non mais alors, alors, est-ce qu'on peut taper sur un mort déjà Est-ce que est-ce que déjà, non, non on peut mais taper alors moi c'est très mort. simple, tu sais, tu sais que tu, tu connais les termes du débat. Les termes du débat, c'est euh, euh, c'est la sagesse latine qui dit euh, des morts on ne doit dire que du bien. ce à quoi Voltaire répond aux morts on doit avant tout la vérité. Et là pour le coup euh, donc, tu veux être d'accord avec Voltaire elle, ce qui est, Moi, j'aime beaucoup Voltaire parce que j'aime oh. beaucoup le grand. Si, j'aime beaucoup l'écriture grand siècle. Ensuite, à titre personnel, Voltaire est une ordure. Mais, mais, euh, mais bon. Euh, Henri humain aime ça. Voilà. Non, mais voilà. Si tu veux le. Voltaire, oui, mais oui, mais c'est une ordure qui écrit bien. Bon, je suis ah. désolé. Tu vois le. Tu vois le. Tu vois, il y a. Tu vois, il y a il bon, voilà, voilà, du coup, hein. d'ordure en ordure. Parlons de Ratzinger. Voilà. Même, le, sujet. Voilà. Non mais non mais tu vois le. Si tu veux. Donc moi, pour le coup, aux morts on doit la vérité. Alors je le dis tout de suite. Je n'entrerai pas et jamais dans des affaires d'une religion qui n'est pas la mienne. Donc, le débat euh, tridentin, euh, CDEVAC, Église conciliaire, elle ne me regarde pas. Moi, je suis avant tout analyste politique. Et j'ai trois choses à dire sur Ratzinger, qui est une personnalité que je goûtais peu. Et euh, je dois dire que d'opposer, comme on le fait, euh, euh, Ratzinger qui serait le dernier pape européen à euh, ah, l'autre euh, affreux sombrero euh, euh, <laughs> euh, non mais il y a je l'ai toujours dit, il y a dans une attaque, dans le pape François est éminemment critiquable mais de le traiter comme un bico à sombrero euh, euh, relève d'une dégueulasserie anti-latino-américain qui, qui, qui est là depuis le premier jour de son pontificat et qui me débecte parce que je suis désolé, c'est quand même la terre des vrais croyants du catholicisme. Il était normal que ce ne soit plus un Européen, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un vrai croyant euh, catholique euh, en Europe, excuse-moi, il faut se lever le matin. Et, euh, et donc, je. Oh, il en existe, hein. ah ah Non, mais il je... y en a Non, mais il y en a J'en ai, ai dans ma propre équipe. La seule chose, si tu veux, c'est qu'il était normal qu'à un moment. Alors, on a pris en plus, excuse-moi, l'Argentine, qui est quand même le pays le plus européen des pays latino-américains. Oui. Hein, mi italien mi boche bon donc moi euh, bon, quand même un peu d'espagnol quelques basques et... <rire> et... Et... <rire> quelques basques es... espagnols mais quand même le gros du peloton <laughs> bon or le euh... et si tu veux on oppose Ratzinger parce qu'évidemment le pape François serait totalement immigrationniste etc mais en réalité permets moi sur ce point là premier point Ratzinger a été dans la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II. Or, la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II n'est pas compréhensible d'un point de vue logique si elle ne repose pas sur les écrits de Paul VI d'appel à l'immigration. Et en réalité, dans la nouvelle évangélisation, c'est les nouveaux arrivants qui nous rechristianiseront. Donc là, pour le coup, l'Église joue contre nous en tant que Français. Depuis Paul VI Alors, depuis Paul VI Paul VI on est obligé de parler Vatican II. On est obligé de ah, parler je, Vatican II. Je suis on désolé, pas Vatican II. Que, mais... certes, la la, la mmh. République est laïque, mais la France est chrétienne. Mmh. Et donc mais... c'est un fait politique majeur de voir mmh. le, la suis désertion de l'Église ah, et, 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 et la destruction. Moi, si tu veux, mon ami l'abbé Guillaume de Tannoir, un jour, me, me dit, puis arrive, quand on est aussi loin de l'Église que vous êtes, moi, à titre personnel, je ne donne absolument pas de leçon de foi à partir d'une religion que j'ai quittée. Moi, je me suis converti à autre chose volontairement et à ma demande. Donc euh, je n'ai aucune leçon de catholicité à donner à qui que ce soit. Je dis juste que, c'est ce que j'ai répondu à la bête à pour moi le crime premier de Vatican II, c'est la déshélénisation du christianisme. C'est ce qui a fait dire au général de Gaulle que c'était le pire événement du XXe du, 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 du siècle. Le général de Gaulle, qui je vous rappelle, a fait trois guerres, dont deux mondiales. L'autre étant la, la guerre euh, russo-polonaise. Et euh, donc, quand un homme de ce calibre-là vous dit que c'est le pire truc, croyez-le. Or, le, et de Gaulle a essayé d'ailleurs... De mettre toute la diplomatie française pour que le concile ne se termine pas comme il s'est terminé. Le problème, c'est qu'il s'est terminé à cause de quoi De ce qu'on appelle la voix synodale allemande, c'est-à-dire que l'Église allemande. A voulu faire dégénérer le christianisme en menaçant d'un nouveau schisme, alors que moi, je dis sincèrement, c'est là où tu vois quand même que, y a, que certains kurton cu n'ont rien sous la soutane, parce que moi, euh, un conglomérat de cheleux qui me dit euh, euh, tu plies ou on se casse, moi j'ouvre la porte. Mais le, le, que ça rappelle quelque chose, c'est-à-dire cette tendance au schisme de... Bon, non. Ça, ça, ça me rappelle Charles Quint aux portes de, de la mythe mmh. de Luther, mais mmh. effectivement, c'est classique. Et... Mais en fait, c'est une protestantisation, hein, c'est ce que disent certains sénévags. Mais, mais euh, bah, c'est tout 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 très simple. Si tu le déshellénises et que tu le désceltises, bon, comme le culte des saints, <laughs> il reste quoi Il reste l'Ancien Testament. Ah, oui. bon, et donc, la, la pente de la protestantisation est, 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 est évidente. Le, le très bon livre, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, montre bien que dès que le, le Concile. L'effondrement de la pratique religieuse ne date pas de l'année du Concile, elle date de 2 à 3 ans après, c'est-à-dire le temps de la mise en place. Ah, Or. Moi, je, je, je suis, je suis dé euh, désolé. Pour moi, si tu veux, la culture chrétienne, c'est pour ça d'ailleurs que, que je fais en sorte que, que, que ma fille l'apprenne elle choisira plus tard métaphysique, métaphysiquement. Euh, sans la Bible, je ne peux pas apprécier Claudel à sa juste valeur. Et ça, ça n'a pas de prix. Or, qui me l'interdit Moi, si tu veux, je me suis converti pour une raison. C'est ce que j'ai dit à la bêta Il y aurait plus de pasteurs comme vous. On, on aurait vu. Mais moi, j'ai eu des, co des copains nationalistes qui se sont présentés à des élections et à qui des prêtres ont refusé la communion. Moi, j'ai eu un de mes amis qui, pour une fois, qu'il allait à une messe normale parce que lui fait partie de l'opus dei, donc il va à la messe deux fois chez, chez les deux, deux fois pour du latin et pour une fois qu'il va dans une messe concilière. Le mec le reconnaît puisqu'il était frondate. Mmh. dit vous Je vous parle pas. Tirez-vous. Et moi, je n'oublierai pas euh, les prêtres, euh, les prêtres espagnols qui soutenaient le TA ouvertement euh, durant les ah, attentats non. des années 80 90. Donc, si, donc, <laughs> si tu veux, tu as un pourrissement du christianisme. Et je suis désolé. Ratzinger y a participé dans l'ombre de Jean-Paul II. Si aujourd'hui le Vatican, euh, si on a pu faire ce livre horrible qui est Sodoma, c'est pas la faute de Benoît XVI. Benoît XVI a fait en... de, 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 du pape François. Le pape François a fait en sorte que ce livre soit publié. Mmh pour une situation qui était là avant lui. Alors Sodoma, il faut juste rappeler. Ah bah Sodoma, c'est à... ah bah, ah, le, Sodoma... le titre est un peu évocateur. Ah bah, le so 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 oui, là, pour le coup, on sait par où entre l'hostie. Mais euh, bah, c'est assez simple, disons qu'il euh, y a The Village, il y a le Marais, et il y a le Vatican. Hein, je vous laisse lire l'ouvrage, euh, vous verrez le problème. Or, et ça, c'est le leg empoisonné de Ratzinger. Euh, je rappelle que Ratzinger a fait dévier la CDU pour, euh, la CSU, pardon, pour l'européaniser et a créé des personnalités aussi haineuses euh, de la France que Manfred Weber et que tous ces gens-là. Alors, je veux bien le dédouaner de la guerre des Balkans parce que les conneries de Jean-Paul II, il avait suffisamment de son état-major polonais pour le faire, il n'avait pas besoin du Panzer Cardinal pour en rajouter, mais je pense quand même que la fin de la Yougoslavie et la germanisation de l'Europe n'ont pas dû euh, euh, faire pleurer de chaudes de larmes un ancien un Adolf Hitler-Jungen. Donc, euh, si tu veux, quant au... Et dernier point, quant à la fameuse conférence de Ratisbonne, euh, je, je n'ai jamais cru que Benoît XVI fût... Euh, islamophobe pour une raison, c'est que euh, là encore, à partir de Paul VI, tu as les deux grands principes de l'ouverture à l'autre, hein, donc le saint crétinisme et le cucuménisme, et euh, donc il en était parfaitement dedans. Tu vois, et il y a euh, parmi les, les, les théories que j'ai créées en histoire des idées politiques pour mes, pour, pour, pour mes étudiants, euh, je me suis rendu compte. Moi, si tu veux, j'ai une théorie selon laquelle tu as un décrochage du christianisme à plusieurs époques et qui a des effets politiques. Et donc, en réalité, que à partir du couple retour des croisades et reconquista, tu as la création d'un catholicisme de plus en plus moresque à cause de la radicalisation due à la guerre. Alors, ce qui est très drôle... C'est que le, le catholicisme mauresque, qui est mmh. donc excommunié par, par Charlemagne, mmh. c'était à Ratisbonne. C'est mmh. un, un, mmh. un, un synode ah, qui se tient vrai. à Ratisbonne. Et si tu veux, la, cette radicalisation va emporter quoi Le besoin de refaire la synthèse du christianisme féerique médiéval. Ça va te donner quoi La tentation de la Renaissance. Mon mmh. elle se heurte à quoi Un christianisme ethnique et c'est le début de la réforme. Et c'est le début de la fin. Mmh. Et en réalité, la conférence de Ratisbonne, quand tu la lis, te raconte une histoire à peu près pareille, mis à part que là où moi, je trouve que c'est une catastrophe parce qu'on va vers la déshellénisation. Et qui qu crée, et qu il crée mmh. euh, un homme comme Luther. Hein. Mmh. Luther est quand même un homme qui va détruire les ouvrages d'art, qui va détruire, il le dit lui-même, tout ce qui vient d'Athènes, de Rome et de Paris. Mmh. Bon, hein, l'ennemi, c'est tout ce qui vient d'Athènes, de Rome et de Paris, tu vois, Luther. Et. Euh... Eh bien, Benoît s'en félicite. On a même quasiment à peu près les mêmes dates. À une date près qu'il qu met. Un... De manière un peu plus tard que la mienne. Et moi, je ne pouvais pas le savoir. Je n'avais pas lu la conférence de Ratisbonne au moment où j'ai écrit ces lignes. Je l'ai lu quelques années plus tard et j'ai été stupéfait. Et surtout, j'ai été stupéfait qu'il trouve ça, qu ça vachement bien. Donc, euh, et, et je me permettrai de conclure sur ce qu'on ose appeler la, la francophilie de ce type. Moi, la francophilie d'Herntz Younger d'Otto Abetz ou du Panzer Cardinal, moi, si vous voulez, ouais. évitez ça. Sincèrement, ensuite. À titre personnel, je veux bien dire que, pour le coup, dans les Balkans, il n'y était pas, parce que tout simplement, Jean-Paul II n'avait pas besoin de lui pour déconner. Hein. Euh, malheureusement, parfois, être polonais, ça suffit. Et, euh, mais par contre, qu'on qu ose, qu ose mettre ce mec-là comme un symbole de civilisation pour Justement, pouvoir s'attaquer au, au pape François qui aurait été le mondialiste de l'église. Non, je suis désolé, le pape François est un nationaliste argentin et euh, il a un point commun détestable avec Ratzinger c'est qu'ils ont tous les deux poursuivi la théologie de la libération. Tous les deux, il faut pas oublier qu'au Vatican, l'un des plus raides et l'un des plus salauds sur la, sur la théologie pape de pape la libération, de mémoire, il sûr. a donné des prêts sur de la, la théologie de la libération depuis, à mais depuis Rome. L'un des hommes qui a été les plus durs dans la répression contre la théologie de la libération, c'est le cardinal Ratzinger. Donc, à la théologie digital. de la libération, donc une théorie euh, sud-américaine, euh, plutôt C'était le, le visage christique du nationalisme latino-américain. Ouais. Et là, on a. C'est Vita Peron dans une église. Exact. Et là, où <laughs> on a. Déraciner ça aujourd'hui, ces terres sont devenues protestantes et c'est bien fait pour vos gueules. Donc le euh, alors d'un voilà. mort euh, du Vatican, on va passer à une presque mort médiatique, euh, celle de Michel Welbeck. Michel Welbeck qui euh, s'est fait euh, vilipender par euh, nombre de médias alors, suite à ce qu'il a écrit donc dans ce numéro spécial de Front Populaire où il a un long dialogue avec, avec Michel Onfray, où il y a d'ailleurs que, que, que j'ai lu, que j'ai un peu abîmé, comme, comme dès que je touche un livre, malheureusement. Alors il y a, il y a, il y a de très bonnes choses dedans, il y a des choses plus discutables, il y a de très bons articles, par exemple celui de Pierre-André Tagueff, que je vous recommande, mais... Euh, la mosquée de Paris, enfin le recteur de la mosquée de Paris. Euh... Alors, juste pour, être, pour rappeler des, 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 euh, les. Euh, il rappelle surtout les propos. Il y a deux propos qui ont été tenus, enfin même, ouais. même trois. Il y en a un sur la question européenne, sur la question donc euh, de sa prononciation. Enfin, il se prononce plutôt en faveur du Frexit. Du, de la sortie de l'Union Européenne. Et je crois même de l'OTAN, si je ne me trompe mmh, pas. Oui, également. Donc, oui. ça, c'est sa position, pour laquelle il a été d'ailleurs vilipendé bien plus que pour ses seconds propos. Mmh. Sur ses seconds propos, je crois me rappeler, et je vais essayer de pas l'abîmer, euh, il était dit qu'il y aurait une résistance bientôt dans les quartiers islamisés ou conquis par l'islam et que qu'on pourrait s'attendre éventuellement à des Bataclans à l'envers contre des mosquées, contre des cafés fréquentés par des musulmans. Euh, Est-ce que bon, tu préfères commencer par les premiers propos qui sont quand même beaucoup plus sympathiques On est content d'avoir un souverainiste de plus. Alors que les secondes. On était au courant pour Welbeck. On était au courant pour Houellebecq sur ça. Alors, si vous voulez, il y, y a un mystère Welbeck. Je n'entrerai pas dans l'aspect littéraire pur, parce que euh, moi, je pense qu'on doit un ou deux trucs à ce type-là. Mais par exemple, quelqu'un de beaucoup plus calé que moi, comme mon camarade Juan Asensio, devant lequel je m'efface assez, fa assez facilement sur ces questions-là, euh, euh, crachera suffisamment de flammes. Et Dieu sait que les flammes de Juan valent, euh, euh, valent tous les feux de la Saint-Jean. Mais. Euh, euh, J'entrerai pas là-dessus. Je, je dis une chose qui est, qui est simple. Il euh, y, y a trois problèmes dans, je pense, cet entretien avec Michel Onfray. C'est un entretien de très bon niveau, si tu veux, c'est suffisamment rare dans la presse française pour être souligné. Euh, dans un numéro qui est de bon niveau, bon, ils auraient pu éviter l'article de Renaud Camus, tout ce que je dis, surtout que Renaud Camus n'a rien à faire dans une, dans une revue souverainiste le le le, le, le je, je vois pas le enfin voilà quoi le si tu veux le jour où vous, le, le jour où vous me voyez écrire dans le bulletin de la maison de l'Europe fusiez-moi dans le dos et le euh, donc bon je, enfin je, je vois pas ce, tout à fait ce qui vient foutre là mais euh, ça d'un côté c'est la politique éditoriale de, de nos camarades un numéro de, de très bonne tenue le, le problème c'est il y, y a trois problèmes dans le discours, à mon avis dans, dans le discours de Welbeck Premièrement, il a un aspect décadentiste qui, est pour moi, absolument paralysant. Moi, alors, il est vrai que moi, j'ai été très marqué par l'œuvre de Françoise Bonnardel sur cet ouvrage que je, que je juge absolument extraordinaire, qui a des héritiers sans passé, où elle parle du retour à l'atelier. Elle prend la notion de euh, le euh, Moi, ça m'a confirmé dans, le, dans la vocation renaissantiste qu'est la mienne. Bon, L'Espagne-le-Rien les m'emmerde, profondément. Si tu veux, je. je je, j'ai une cadence perpétuelle, cette plus, si tu veux, bah, si, si, si tu veux, j'ai, j'ai une, comment dire, le, le constat du déclin, bon d'accord, ok, moi le problème, moi j'ai trois gosses, donc si tu veux, moi je ne peux pas jouer à ce jeu-là. C'est peut-être le problème de Welbeck tu vois, c'est peut-être que c'est ça, mais en tout cas... C'est qu'il n'y a pas de transmission, en tout cas, c'est tous vers la falaise. Sauter tous, parce que de toute façon, il n'y a plus rien de... De toute façon, si tu veux, tout est fini, tout est foutu. Moi, à titre personnel, moi c'est un luxe. Alors bon, moi si tu veux, moi je suis trop pauvre pour ça, donc peut-être que je ne suis pas assez évolué pour goûter. Euh, ce, ce plaisir de fin gourmet mais voilà je, je le dis euh, c'est quelque chose qui m'éloigne euh, voilà contrairement à l'extrême droite et à Emmanuel Macron je n'ai aucun goût pour les ruines donc le c'est un euh, peu Daniel Balavoine dans le chanteur malheureux tu vois c'est euh, je veux mourir malheureux pour ne rien regretter ouais, je, je, bah, je, c'est très le, aristocrate j'ai l'impression oui oui ouais, il y, 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 y a de ça même si dans, une part dans cette chanson euh, préfiguré, <laughs> je, préfiguré Jean-Claude Juncker hein, et que mes yeux puent l'alcool et donc le le et, non mais, tu comprends que, moi je, je suis désolé, c'est euh, que, que l'Europe soit devenue une ruine herméneutique, qu'on soit dans une crise de civilisation, d'accord, c'est pas la première. D'accord, c'est pas la première, euh, c'est pas la première, le, la France a été attaquée, la France a été envahie, la France a été euh, démembrée, on est toujours là, donc euh, les pays européens en ont connu d'autres. Je, je reprends l'exemple italien. Les Italiens, il y, y a eu trois ou quatre renaissances de Rome après Rome, il y a eu la grande Italie du XVIIIe, il y a eu l'Italie de la Renaissance, euh, il y a eu euh, la modernisation de l'Italie euh, du 1er XXe siècle, quoi qu'on en pense par ailleurs, qui a été une modernisation, qui a été critiquable pour des aspects politiques, mais qui a été une modernisation. Euh, et, si tu veux, le, tu, le, regarde, le, tu prends euh, l'Espagne. Je vais te le dire, c'est-à-dire qu'on que a fait disparaître l'Espagne les les... elle est revenue de loin. Excuse-moi, on donc. a failli disparaître 240 fois. Euh, bon, c'est pas dit qu'on ne risque pas de disparaître de non nouveau. Mais, non mais, on se retrouve dans des montagnes, à les... trois types, trois visigots qui, qui balancent des cailloux et ça lance 700 ans de Reconquista, donc rien n'est perdu. Non mais surtout, si tu veux, alors évidemment, toute chose humaine est faillible et faillira peut-être euh, si tu veux, nous ne sommes jamais que des, que, que, que des, que des êtres biologiques donc euh, si tu veux malheureusement la mort fait partie du dessin mais euh, individuel et collectif mais de de ne jamais si tu veux il y, y a une il y a une je, je n'aime pas les dandies de la décadence. Je trouve que c'est une posture qui est facile. Euh, c'est une posture qui est facile et c'est une posture qui, je, je le dis, alors il est vrai que euh, nous, on lutte pour survivre, donc euh, bon euh, peut-être que quand on se, un jour on est des grands bourgeois installés, on pourra se permettre ce luxe, mais je, je malheureusement c'est un luxe auquel je ne... Je n'ai pas envie d'avoir droit. Mais tu ne trouves pas qu'en plus c'est quelque chose d'assez cohérent, c'est-à-dire cette espèce de décadence perpétuelle, et finalement il fait un peu le prophète des, 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 des terribles des moments sombres qui pourraient intervenir, puisque par ses propos assez virulents, mmh. on peut imaginer qu'il préfigure ce que pourrait être une guerre civile, parce que ces gens-là, qui, et je vais être un peu dur, mmh, je vais être un bah, peu bah, dur, bah, ouais. mais ces gens-là qui vivent dans les beaux quartiers savent-ils véritablement ce qu'est une guerre civile Toi comme moi. Moi, par un souvenir familial, je sais ce que c'est une guerre civile. Mmh. Je sais que ça traumatise trois générations, facilement. Mmh. Bah, Toi, tu sais, par une expérience aussi personnelle. Mmh. Mais ces gens-là qui passent leur temps à, à peut-être se balader au flore, à parler littérature, euh, euh, savent-ils véritablement ce qu'est une guerre civile Est-ce qu'ils l'appellent de leur vœu Ils ne vont pas la vivre et ne la feront pas. Qui la fera Non, mais surtout... Et puis, et puis attends, tu as, as un autre fait qui est... Moi, je... Qu'on me dise... Euh, euh, les pro pour moi, les propos de, de Welbeck il a tout à fait le droit de les tenir. Et que personne ne l'en a ah oui, le Ça, si euh... tu veux. Euh, mais par contre, je le dis, est-ce que c'est est -ce est à propos. Euh, moi, je l'ai toujours dit, la guerre civile doit être évitée. Si elle a lieu, il faut la gagner. Mais le problème, c'est que euh, de parler et de ne pas se préparer et de ne pas essayer d'éviter. Euh, si tu veux, il y a un côté d'impréparation et euh, à un moment ou à un autre, tu sais, quand on appelle la violence, la violence finit par venir. Moi, ça me rappelle... Tu sais, moi, j'ai vécu trois ans avec les Libanais. Bon. Euh, et j'ai vécu au cœur du traumatisme de la guerre du Liban vu que euh, je vivais au cœur euh, d'une de la, de la, des familles euh, très très proches du, du clan Gemayel, le... le, le le fils avait euh, comme parrain Béchir Gemayel. Le père qui avait été assassiné, Michel Zouen, euh, était l'un des gardiens du Beyrouth chrétien. Il a été tué à la demande d'Obeka. De, euh, il a été tué. Euh, oui, il a été tué à la, à la demande d'Obeka de, et de Samir Jar Jarja. Enfin, si tu veux, j'ai pataugé là-dedans pendant trois ans. C'est-à-dire, tu vois, bon, alors, on, est à, on est dans la diaspora, on est à Paris, on entre dans un resto, et là. Euh, tu as le, le cafetier qui reconnaît la personne avec qui je, je vivais, qui se met à pleurer. Euh, ton père, ton père, ils ont assassiné ton père, et qui se met à pleurer, à pleurer. Toi, tu sais plus où te foutre. Et on est 20 ans après. Et le même, tu vois, où, euh, le, euh, si tu veux, ou entre deux clans chrétiens, tu es au milieu de l'église libanaise d'Ocre tu vois, tu as, as un frontal, et là, tu sens la violence. Toi, tu l'étranger du coin, tu, tu dis, euh, ah oui, quand même. On en est toujours là. Si tu veux, c'est simple. On est posé que J'ai vécu avec les limanais trois ans. Euh, j'ai dix ans de combat pour la vérité sur le Rwanda. Et quinze euh, ans de, com de combat aux côtés de mes frères serbes. Bon. Plus oui, une si, petite aventure en Côte d'Ivoire. Donc la, la guerre civile, merci, j'ai donné. Euh, et, et surtout, je pense que... Si tu veux, ce sont des propos trop graves pour être tenus sur une table comme ça. Euh, on ne se rend pas compte ce que c'est quand, sur un, dans, sur un palier d'immeuble, quand euh, deux voisins qui ont sorti les poubelles ensemble une semaine avant, euh, l'un entre dans l'appartement la, la, de l'autre pour égorger sa famille. Tu vois, si tu veux, il faut, faut se mettre dans l'idée, tu vois. Moi, le, 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 je, je, je suis désolé. Il y a un caractère légèrement inconséquent. Je, bien évidemment, je pense que Wolbeck n'appelle absolument pas la violence. Je ne pense pas que ce soit un méchant garçon, un mauvais bougre. Le problème, c'est. C'est un souverainiste et je, nous sommes le camp des politiques. Mais c'est un manque de responsabilité, peut-être, plus que d'inconséquence. Si, si tu veux, dire on, dire a, que... on a toujours été très lax sur l'aspect de responsabilité des artistes et des écrivains. Donc, d'un côté, il peut en jouer. Le problème, c'est que j'aimerais. Si nous, souverainistes, avons toujours eu le monopole, le... parce que c'est le rôle que nous nous sommes donné et que nous avons tenu, de constater, de dire la réalité telle que nous la voyons. Comme disait Peggy, dire bêtement la vérité bête, dire tristement la vérité triste. Essayons d'éviter euh, de rajouter de l'inquiétude, sachant que, il faut être très clair, il n'y a. Pour sortir des guerres civiles, il y a. Et ça, je, je, si tu veux, nous on avait écrit, ça a été un des numéros de, de Perspective Libre qui avait le plus marché, hein, qui était Stasis, hein, euh, sur la guerre civile. Il n'y a qu'un seul remède à la guerre civile, c'est la souveraineté. Ce sont les États forts qui empêchent les guerres civiles, ce sont les États faibles qui les attirent. C'est un état de fait de la, de la politologie. Donc, j'aimerais qu'on évite les discours à l'emporte-pièce. Moi, ça me rappelle beaucoup trop le Liban. Euh, où euh, tout le monde voulait la peau de tout le monde, et résultats. Euh, tout le monde, qui, tous ceux qui voulaient la peau de tout le monde, ont terminé tous à s'engueuler. Non pas au Liban qu'ils ont laissé brûler, mais dans les boîtes de nuit avenue Foch et le. Euh, non mais C'est du vécu. Hein. Le, euh, le, le, c'est du vécu. Donc à un moment, on va se. Je pense qu'il faut arrêter. Je, je, c'est très bien que Welbeck ne soit pas. D'ailleurs, je le dis, moi je l'aurais soutenu s'il avait été traîné en justice, parce qu'il n'a pas été traîné en justice pour ça. J'aimerais juste que nous restions le camp de la responsabilité politique. Nous avons l'avantage d'avoir verbalisé tous les mots de la société française avant les autres. Essayons de ne pas être otages. Essayons de ne pas d'éviter qu'on nous foute sur le dos les dangers contre lesquels nous essayons de nous dresser depuis 30 ans c'est-à-dire bien avant les autres si tu veux c'était c'était ce que je disais à Eric Zemmour on est au courant que t'aimes pas Mokhtar <laughs> On était au assez courant. D'ailleurs, d'ailleurs, tout le monde est au courant. Euh, Zemmour est au courant qu'elle n'aime pas Mokhtar le, le public est au courant que Zemmour n'aime pas Mokhtar. Mokhtar Mokhtar est au courant <rire> aussi. <laughs> d'ailleurs, d'ailleurs, tout le monde est au courant. Tout va bien. Là, il n'y a qu'à bon. Et essayons d'avoir le projet le plus englobant. Si tu veux, pourquoi le général de Gaulle nous épargne la guerre en 45 et nous épargne la guerre civile en 62 Parce qu'il ne cesse à aucun moment de faire de la politique. Et la politique, c'est des problèmes à résoudre, c'est pas des gens à tuer. Parfois, ça passe par. Mais euh, le problème, c'est que tu peux tuer les, les, les gens qui ont créé des problèmes, ça ne règle pas les problèmes. Il ne faut jamais arrêter de faire de la politique. Et je pense que quand on dit de toute façon, c'est la violence euh, métaphysique, tu vois, euh, quasiment sacrale, qui va être. Euh, la purification de nos sociétés décadentes. Là, on entre dans un raisonnement impolitique qui euh, est un raisonnement euh, de prêcheur. Et je pense que euh, je pense qu'il faut pas se bourrer de métier. Oui. Euh, bon, étant un grand fan de René Guénon, moi, je suis plutôt dans le dialogue des civilisations, mais euh, voyons oui. si on peut en tirer quelque chose. Petit sujet puisqu'on a parlé du Liban. Mmh. Il faut qu'on parle d'Israël. On est juste à côté. Mmh. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur euh, euh, israélien du nouveau gouvernement donc, de Benyamin mm -hmm. Netanyahou, hein, qui est déjà poursuivi d'ailleurs pour 2, 3, quatre corruption Benyamin Netanyahou, non pas le son oui, ministre, s'est oui. hein, rendu sur l'esplanade des mosquées euh, accompagné... Oui. On euh, remet une pièce dans le jukebox. Voilà, accompagné de, de, de oui. gardes à des horaires qui ne sont normalement pas prescrits euh, oui. pour Il remet euh, une pièce visiteurs. dans le jukebox, oui. bien sûr. Alors, euh, que, que penser de ça Comment faire, nous, en tant que Français, pour éviter que ça revienne encore sur le territoire national parce que c'est quand même un des risques, c'est-à-dire que moi qui habite pas très loin de Sarcelles, <laughs> c'est quelque chose de fréquent. À chaque fois qu'il y a un affrontement en Israël ou en Palestine, nécessairement ça conduit à des, euh, à des affrontements en France. Comment est-ce qu'on fait puisque finalement on peut aussi le mélanger avec le sujet enfin, si tu... kurde C'est comment fait-on en tant que Français pour éviter alors, que les communautés s'affrontent chez nous Soit alors, soit euh, on a toujours laissé une latitude aux communautés immigrées euh, de se montrer politiquement, cas typique euh, les réfugiés espagnols. Tant que c'était euh, des Européens, à, à une exception, qui étaient les Russes blancs. Les Russes blancs, ça a posé de gros problèmes. Ça a posé de très gros problèmes. Parce que les, les Russes blancs, euh, bon, premièrement, ils ont fait corps avec une partie euh, du, du, du mouvement euh, pont germaniste euh, dans lequel ils ont insufflé leur théorie de la révolution russe-révolution juive. Euh, mais en France, ils ont fait la même chose. Les, les Russes-Blancs ont posé quand même de, de lourds problèmes politiques. Il faut, faut être très honnête. Mais la plupart, ça c'est, tu vois, par exemple, les manifestations des, des, de ce qu'on appelait les rouges espagnols ça, a... alors certes, ça nous a donné malheureusement Manuel Valls à Nidalgo euh, c'est certainement ce que ça nous a donné le pire Alors sur mais... Manuel Valls, pour, pour disons oui, les choses oui, sur le Manu père de Manuel Valls c'était plutôt ce qu'on appelle les catalans de Franco Oui, euh, c'est vrai il était, lui qui disait qu'il était dans l'Espagne noire néanmoins, l'Espagne noire, le jour où son peintre de père ouvre son exposition c'est le Gaudio lui-même qui vient l'ouvrir Xavier ah, Valls n'était pas connu pour ses opinions progressistes Disons qu'il était contre Franco, tout contre et, le, et le, mais tu vois ça posait pas de problème maintenant que ce sont euh, des problèmes orientaux et moyen-orientaux où là euh, il est à peu près sûr qu'ils peuvent moi j'ai vécu à Strasbourg je sais qu'à chaque fois qu'il y avait un problème kurdo-turc euh, ça se réglait dans la rue euh, moi je me rappelle euh, à côté d'un manège où j'avais ma fille j'ai dû attraper ma fille et, euh, et l'emmener loin parce qu'ils ont commencé à se foutre sur la gueule et quand ils se foutent sur la gueule, ils font pas semblant. C'est violent. Or, il euh, faut savoir que les Kurdes croient en la politique. C'est un des seuls peuples Moyen-Orientaux qui croient réellement en la politique. Hein, le, particulièrement, ils ont été très staliniens, etc. Euh, le, et euh, les, les Turcs sont pas, euh, comment dire, sont pas manchots quand il s'agit de poser de, 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 de coller des paires de gifles. Donc, je pense que là, il faut avoir une parole et une seule. Et c'est là où malheureusement notre droit de l'homisme va se retourner contre nous. C'est-à-dire, une parole, une seule, c'est-à-dire, voilà, vous êtes en France. Vous avez le droit de participer à des mouvements sociaux pour des questions qui se passent en France. Le reste, ce sera lourdement encadré par la police. Mais vraiment. Et là, pour le coup... Bah c'est pas ce qu'on a vu durant le soir de Noël parce que quand on regardait les images de ces manifestations, donc le soir de Noël, mmh. les cures de manifestent. Moi, j'ai participé à des manifestations avec mmh. les cures a quelques années. C'est une manifestation plutôt pacifique. Mmh. Euh, il est assez rare qu'il y ait des débordements. Ils ont un service de sécurité. Et là, ce que l'on voyait, c'est que les policiers étaient un petit peu en retrait et n'osaient pas faire l'intervention, mmh. n'osaient pas rentrer dans la manifestation, chercher les éléments perturbateurs qui étaient tous les mêmes. Et à peu près, on parlait d'une vingtaine de personnes. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas surtout sur deux plans, une démission de la police ah d'un côté des ordres de police. On a, 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 a l'habituelle préférence mais étrangère une... en termes en terme de, terme de, de, de refus du maintien de l'ordre, ça c'est habituel. Et puis une démission de la justice, parce que quand on pense aux Kurdes, quelque chose qui n'a pas été évoqué dans les médias, on se rappelle de l'assassinat de ces trois militantes mmh, euh, kurdes dans Paris, d'une balle dans la tête chacune quand même. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a des éléments qui laissent croire qu'éventuellement les services intérieurs euh, turcs, les services extérieurs turcs, plutôt, peut-être par la main des loups gris, auraient bah, commis des bah, attentats sur le sol français. Oui, mais c'est assez simple. La France est devenue, ce qui est normal pour un État qui n'est pas souverain, qui n'est plus souverain, elle est devenue ce qu'on appelle un nid d'espions. C'est-à-dire que comme le Caire. Non, mais voilà, comme le, le, voilà, comme le, Caire, comme nid le Caire, nid d'espions. <laughs> ouais, ouais. Quelle culture Mais <laughs> la, la... non, mais tu comprends que c'est pas la première fois dans notre histoire. Quand le général de Gaulle arrive en 58, et d'ailleurs, un jour, moi j'avais croisé, euh, croisé euh, quelqu'un absolument détestable qui est Nicolas Tenzer, et euh, qui venait d'écrire un bouquin, un des énièmes euh, qu'il écrit depuis qu'il pense qu'il pense, et euh, qui s'appelait La pardon du gaullisme. Je m'étais permis une petite réflexion en disant La pardon du gaullisme, pourrait la prendre sur le coin de la gueule dans cinq minutes. Et <laughs> le, euh, le. Et le de fascistes, etc. On est tombé sur un original. Hein. Okay. Et, le, euh, et en réalité, euh, il faut savoir que quand le général arrive, tu as des espions soviétiques plein Paris, tu as des espions américains plein Paris, qui d'ailleurs vont manipuler et le FLN et l'OS contre nous. Hein. Le FLN et l'OS. Euh, Jusqu'à même les faire se rencontrer. Eric Branca a levé seul. Oh, ça laisse rêveur. Et, euh, et Paris a été j'avais des conversations à l'époque où j'étais euh, en bonne grâce dans les milieux de l'intelligence économique j'avais eu des conversations avec le colonel Arbulot là-dessus Paris a été nettoyé et ça n'a ça pas allé au bain de sang c'est-à-dire que dès que tu commences à dire il y a un nouveau tolier en ville, eh bien euh, comme disait Deng Xiaoping euh, quand tu ouvres la fenêtre les mouches rentrent et eh bien quand le nouveau taulier est là, les mouches repartent c'est aussi simple que ça ça sert à rien, il n'y a, y a pas eu de bain de sang en plein Paris, etc. Ça, mais aujourd'hui, la France n'est plus un pays souverain. Résultat, euh, n'importe quel pays croit qu'il peut avoir des agents d'influence euh, partout. Maintenant, dans le camp national français, tu as même des gens qui sont des agents polonais. Enfin, si tu veux, au secours, quoi Au secours Tu vois, tu as, as des agents polonais, tu des agents ukrainiens. T'as des agents pop-off. Hein, hein, peut-être. Tu, est... tu vois, non, mais à la fin. Bolivien, c'est Tu vois, non, mais tu te rends compte que n'importe quel sous-pays <laughs> va vouloir avoir son, son, son agent traitant à Paris. <laughs> non, mais il faut arrêter de déconner. Les services algériens. Alors, attention, avec nos amis algériens, il y a toujours eu un fil loyal en termes de rapport de relations euh, intérieures. C'est-à-dire que l'Algérie nous a permis de faire des coups. Contre la mouvance djihadiste à plusieurs reprises, faut le souligner. Mais à certaines époques, le, dès qu'il y avait un problème à Alger, on nous promettait des emmerdes à Paris. Donc, euh, tu as, as, euh, as les Américains, euh, tu as les pro-Russes, euh, maintenant les pro-pays de l'Est, euh, tu as les Turcs. Mais, mais, mais qui n'a pas son bureau trait, traitant à Paris On sait maintenant que tu as, de la part de la sécurité d'État chinoise, une dizaine de commissariats clandestins pour euh, pour euh, <laughs> contrôler la diaspora chinoise en Europe donc à un moment faut non là, il faut que ça s'arrête et, et c'est pas à moi qu'on va faire un procès en, en sinophobie pas à moi pas à moi J'ai une espèce de demi-débile qui, qui écrit partout que je suis un agent du PCC. Or, le... Alors euh, que, le... pourtant, c'est écrit sur les tasses. Nous ne <laughs> sommes pas des agents du PCC, nous sommes des agents du Kremlin. Voilà, voilà c'est ceci <laughs> le, 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 Donc, le, mais... C'est Dieu non, mais le PCC, il faudra qu'on les, qu les commande. Le il hein, faudra hein. qu'on les commande. Mais, <laughs> le, or, le, non mais... Il faut, faut bien comprendre une chose. Ça s'arrêtera au premier retour de souveraineté. Parce que tout simplement, là, que ce soit les, les, les Kurdes dans, les contre les flics ou d'autres minorités, ils se sentent tout simplement, face à un État qui n'en est plus un, eh bien, ils se sentent, si tu veux, pousser des, pousser des, pousser des biceps. Est-ce bon. que c'est n'est pas un manque de virilité finalement bah, nous, on avait fait un numéro entier d'ailleurs, c'est celui-là d'ailleurs. Euh, on avait fait un numéro entier là-dessus Mais si tu veux, t as, t tu as, euh, comment dire, euh, tu sais, as, as une expression chinoise que, que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui est "Qui fait là n'a pas à se prendre qu'on lui, qu lui monte dessus". Et à un moment, si tu fais tapisserie, tu seras traité comme une tapisserie. Or, le, euh, je, je, je n'ai, euh, tu vois, moi, c'est ça qui me, qui me qui, qui m'effraie, c'est ce culte. Euh, à un moment, tu avais un, un duo d'intellectuels de, de, souverainistes qui étaient père et fils. Je crois que c'est les Dumont qui avaient écrit un ouvrage très, très intéressant, aujourd'hui introuvable, qui s'appelle Le culte du refus de l'ennemi. Okay. Et, euh, et euh, je veux dire, je, je, je ne. Tu vois, ce modérantisme euh, va finir par nous bouffer. Ça fait de nous des hommes euh, qui euh, cherche, euh, qui ne cherche pas la, la, la paix. La, la paix, c'est quelque chose intellectuellement. La paix, c'est l'équivalent de la, la paix en politique, c'est l'équivalent de la taraxie. C'est oh. l'absence la, de trouble. L'absence de trouble se fait comment Justement, par la virilité des deux côtés. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais que si tu violes la paix, tu prends des nions. Et les nions, ça fait mal. Mais l'ataraxie, il y a une question de la responsabilité. C'est-à-dire, mm. dans l'ataraxie, tu l'atteins aussi. Donc l'ataraxie, c'est la fin des passions. Mm. L'ataraxie, tu l'atteins aussi. Quand tu te fixes un objectif, tu dois mettre tous les moyens disponibles mm. pour atteindre cet objectif. Mm. Mais nous avons ça, demande, objectif. Ça, demande, ça demande une vision. Et on ça a demande, plus ça que demande une vertébrale. A, oui. Mais de toute façon, moi, le, je, si tu veux, je l'ai toujours. Je, je pense que c'est un des faits les plus récurrents. Et d'ailleurs, ce qui fait que je vais être profondément chiant parfois à écouter parce que souvent, je raconte les mêmes choses. Mais. Le, notre dégénérescence interne m'effraie plus que les dessins de nos ennemis. Si tu veux, le, je, je, tu, vois, le tu vois, quand t'as des Mohamed mera en face, t'as pas ce quoi, ça va. Ouais. Quand, alors que quand en face de quoi que ce soit, tu mets Darmanin, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui est porté par ses fringues. Le euh, si tu veux, je dis, pas, je, je dis pas, je dis pas une demi une demi -handicapée en souffrance à Tourcoing, mais le euh, ça pour le coup il peut gérer. Donc le euh, les le, promotions canapé aussi il peut gérer. Le, le, le Louis, chef, ça ça c'est de voilà mais mais tu vois ces gens là si tu ces gens là si tu si tu veux ne ils ne peuvent pas alors, je ne te dis même pas gérer la fin d'une civilisation, ils n'auraient pas pu. Il faut bien comprendre que si, on revient, au qu début, si on, au débu, on revient au début de la Ve République, euh, Emmanuel Macron est réformé P4, <laughs> euh, réformé P4. D'accord. Je pense qu'il faut expliquer euh, aux gens. De... Alors, réformer P4, c'est-à-dire, c'est très simple, hein, cinglé, donc euh, écarté du service des armes parce que cinglé. Donc, euh, réformer P4, euh, Darmanin est, est au grand maximum ilotier, au grand maximum maximorum. Euh, euh, Bruno Le Maire est, euh, je pense, secrétaire de mairie euh, dans une euh, ville de province. Et, euh, et, euh, et Marlène Chiappa est au maximum ouvreuse au Rex. D'accord et euh, et J'ai dit au Rex, hein, j'ai pas dit Faubourg Saint-Denis. Mais le, euh, le... Tu me diras, c'est pas loin. Mais elle, donc, a le, oui, elle a écrit des ouvrages là-dessus. Oui, elle des mais, ouvrages Mais tu vois, tu te remets dans le début de la Ve République, ces gens-là... tu n'existent pas. Tu, ces gens-là ne peuvent pas oui. exister. Or, si, si tu veux, c'est... Mais quand même, c'est eux qui ont gagné. Si tu veux, moi c'est ça qui, qui est mmh, terrible. Bon, je vais pas revenir va va sur l'histoire de Chaban, mais qui c'est qui gagne C'est Chirac, c'est pas Chaban, tu vois C'est toujours ah, la même chose, c'est-à-dire que comment va-t-on faire pour gagner Parce qu'on veut, veut l'objectif mmh, est de gagner à la fin, sûr, fin culturellement ou quoi Mais comment va-t-on faire pour gagner si le sibylin l'emporte systématiquement C'est le serpent, tu sais, dans le jardin d'Eden, quoi. C'est lui qui gagne à la fin, obligatoirement. Bah, si tu veux, c'est lui qui gagne quand il a l'avantage d'entrer dans un nid qui est déjà fait. Et tu veux, tous ces gens-là sont entrés, d'ailleurs dans tous les pays d'Occident, parce que ce qui est arrivé à la France est parallèle à tous les pays d'Occident, parce que de grands hommes avaient créé des ordres et que ces ordres ont servi à nourrir des serpents dans leur sein. On va être clair ces gens n'encaisseront pas les fruits de leur malignité. Comme je le disais par Twitter à M. Brice Couturier qui se plaignait des woke, je lui ai dit, père indigne. <laughs> Or, le euh, c'est votre monde pourri. Et, vous, et quand, comme vous avez pris, comme, dit, comme dirait Nietzsche, vous avez pris le parti des forces de décadence, eh bien... Quand vous avez pris le parti de l'égout, eh bien, l'égout va vous emporter avec lui. La seule chose, et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que nous, en tant que nationaux, nous puissions avoir un écosystème qui puisse résister à la vague de, de déchéance qui est en train de se déclencher. Et malheureusement. Euh, c'est un sujet trop, trop vaste pour qu'on le traite maintenant, mais euh, c'est moi ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est ça, parce que les hommes faibles créent les temps les temps durs. Bien, merci beaucoup. Je, juste un dernier point avant oui. de passer aux questions. Je remercie les éditions qui mal y pensent de m'avoir envoyé ceci et je vous le recommande. C'est le discours de Philippe Séguin avec. Euh, une, pré une préface et une postface l'un de Virginie Martin que je n'avais pas l'honneur de connaître et l'autre d'Arnaud Tessier qui est, un, euh, qui est un proche de Séguin et qui est un très grand intellectuel euh, gaulliste ou néo-gaulliste et euh, je, je vous recommande une très belle édition d'un des grands écrits politiques de la Ve République qui est le discours de Philippe Séguin et euh, j'oublierai euh, j'oublierai pas jamais cette phrase c'est debout qu'on écrit l'histoire et je, je vous recommande et je remercie ce tout jeune éditeur. Hein, dont le nom est facile à se rappeler, les éditions qui mal y pensent Voilà, ça nous sied particulièrement bien. Euh, Puisqu'on est dans le moment euh, promotion, on va faire un peu la nôtre. Euh, donc tu as eu la gentillesse de, de me confier une émission donc à venir, euh, un programme donc qui va, traitera la question des relations internationales. Euh, donc nous commencerons très vite, a priori dès euh, le 20 janvier, nous aurons donc une première émission sur le thème des Balkans. Mmh. Sur le thème des Balkans, donc un sujet très intéressant avec Alexis Trude mmh. euh, et donc il, je, peux, je ne peux d'ailleurs que vous déjà vous conseiller de lire déjà son ouvrage sur les Balkans, une zone grise, les Balkans, sujet très intéressant. Donc nous vous invitons aussi à nous suivre, euh, à vous abonner évidemment pour nous suivre sur les prochaines émissions que nous ferons sur le sujet donc des relations internationales. Merci beaucoup Pierre -Yves. et on se retrouve pour une troisième partie après. Nous voilà repartis pour la séance de questions. Mais avant tout, nous voudrions remercier tout particulièrement la Collégia qui a offert 30 abonnements, 30 abonnements aux spectateurs. Donc merci beaucoup, un immense merci. Un merci également à Andrem DLT, à Dizatch, Boutesvague, Paroxy99, Charles Cornic et Aya Wayne merci beaucoup oui, oui euh, mais tu sais des fois je vois un peu les streamers de, de, de jeux vidéo qui évitent euh, les, les insultes il y a des mots ils, ils découpent les mots de telle manière à ce que tu dises une insulte avec, euh, en, en phonétique donc euh, je fais un peu attention euh, alors on passe aux, aux questions Pierre-Yves si tu le veux bien on oh, a soucis. pas mal de questions euh, passons par la question de l'Enfer qui pose la question sur la réforme des retraites il mm -hmm. dit la réforme des retraites approche à grands pas et mm -hmm. les républicains se disent Prêt à pacter avec le gouvernement bon, si elle sûr. se fait à 64 ans. Que cela annonce-t-il concrètement Tout simplement, ce ressemble. La réforme de retraite, ça fait partie de tout l'attirail type Gopé. Donc, de toute façon, c'est une demande de la maison mère. Donc, tout le monde va plier. Or, alors qu'on prend le, le problème à l'envers. Moi, à titre personnel, euh, je comprends qu'une partie de la jeune génération vu qu'elle estime qu'elle doit payer pour des boomers dont elle hérite euh, l'absence de France, qu'elle n'est pas nécessairement euh, envie de maintenir un système par répartition dont elle a une fausse vision. Contrairement à ce qu'on pense, le système par répartition français n'est pas intergénérationnel, il est intragénérationnel, cest C'est-à-dire que chaque génération, en fait, cotise pour elle-même. C'est vrai qu'on ne voit pas. On pense toujours que c'est les... Or, le vrai problème qui se pose pour que ce système puisse être maintenu, il faut qu'il y ait une population en croissance et un emploi en croissance. Les, vrais, les deux vrais problèmes de la France, c'est son redressement démographique et son redressement productif. Euh, tout le reste, après, est secondaire. Je comprends tout à fait. Euh, moi, je n'ai rien contre le fait que certaines personnes puissent, si elles le souhaitent, travailler plus longtemps par rapport à des questions de pénibilité qui sont quasiment individuelles. Donc moi je suis, je ne suis pas contre, par exemple les systèmes de retraite à points. Ce que je dis, c'est que il faut maintenir dans un type d'emploi, mais qui n'est peut-être pas l'emploi économique. Une partie des retraités. Pourquoi Parce qu'avant, la moyenne de, 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 des retraités, ils touchaient leur retraite 6 ans. 6 ans, comme quand, quand mon père a débuté la médecine il y a 40 ans. Euh, Aujourd'hui, ils la prennent plus de 20 ans. Le problème, c'est qu'ils ont toutes les pathologies de l'âge qui arrivent, et particulièrement maintenant du quatrième âge. Le seul moyen de retarder l'arrivée de ces pathologies, c'est le maintien dans le corps social. Qu'on le veuille qu'on ne le veuille pas. Alors, on peut euh, essayer d'en faire des transhumanistes. Je crois que Monsieur Alexandre veut se faire congeler. D'ailleurs, je suis pour qu'on congèle Monsieur Alexandre. Tout de suite. D'ailleurs, tout de suite. Tout de suite, si tout, suite tout de suite. Bien, parce que je me rappelle que je rappelle que la première vague de cryogénie dans les années 80, ils ont foutu les cercueils cryogéniques dans le désert et qu'on les a retrouvés décomposés en 2000. Donc, euh, moi, il n'y a pas de souci. Euh, euh, J'ai un vieux congélo qui ne sert pas. Donc, <laughs> si Laurent Alexandre veut venir, il a pas de problème. Donc, le. Euh, le, euh, le mais à l'instant T, le seul moyen de les maintenir en dehors de la sénescence, c'est le maintien dans le corps social. La seule chose, c'est peut-on les maintenir dans l'emploi salarié au risque de japoniser les entreprises et de les rendre donc non réactif parce que le vrai problème du poids politique et économique de la classe âgée, c'est qu'elle maintient la vision, une vision du monde dépassée dans les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, attention, je ne médis pas de l'expérience, mais la plupart des gens âgés, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas d'expérience. L'expérience... Euh, prix, euh, la, euh, prix comme on le prend aujourd'hui, c'est juste une lampe torche qui, écrit le qui éclaire le chemin déjà parcouru. L'utilité est relative. L'expérience et le savoir-faire sont deux choses différentes. Et malheureusement, une classe, nous arrivons dans la première génération de gens qui arrivent à la retraite et qui ont vécu les premiers bullshit jobs. Donc ils n'ont aucun savoir-faire. Ce qui va d'ailleurs poser des problèmes de transmission parce que, et ça va être... Le, une partie des boomers ne, ne transmettra rien parce qu'ils n'ont rien fait. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je pense que, posons d'abord les deux vraies questions qui sont qu'est-ce qui freine l'emploi Qu'est-ce qui freine la démographie Ça, c'est le poids de la xénocratie, majoritairement. Quel est le visage du libre-échange Quel est le visage de l'euro Quel est le visage de l'immigration C'est la xénocratie d'un point de vue général. Et de l'autre côté... Réindividualisons une part du système de retraite tout en maintenant un filet de sécurité pour qui doit relever toutes les petites retraites à l'équivalent du smic si vous voulez moi j'ai quand même dans ma chez moi mon, mon papa soigne des couples de euh, lui ouvrier elle agricultrice ils ont 1200 euros à eux deux par trimestre. Heureusement qu'elle a un potager, quoi. enfin qu'elle avait, parce que maintenant elle, elle nous a quittés, Janine, qui était une des patientes de papa et qui était une, une amie. Euh, je, je, moi, je l'ai vécu, cette, cette misère paysanne, donc qu'on ne vienne, qu vienne pas me raconter de conneries. Euh, le, le problème, c'est au-delà de ce filet de sécurité. Qui, auquel tout travailleur doit avoir droit, euh, je pense qu'on pourrait utiliser une logique non pas de fonds de pension, mais de fonds souverains, pour drainer une partie de l'épargne des retraités, déjà et d'une, parce que l'épargne des retraités, c'est un or gris comme un autre. Hein Les Français sont des écureuils, sachons l'utiliser pour les rendre copropriétaires de leur économie, et une retraite à point, c'est-à-dire j'ai fait mes annuités, j'estime que je veux partir parce que je maîtrise la pénibilité, ce qui permettra d'éviter à l'administration française de sortir de son rôle. Quand un administratif va expliquer à quelqu'un de l'industrie la pénibilité du travail, ça m'apparaît toujours légèrement problématique. Alors vous me direz, ça devrait être le rôle des syndicats. Je vous rappelle que tant que la CES est là, la Confédération européenne des syndicats, tout syndicat français est un syndicat jaune par nature. Oui, sachant que l'ancien président, le président du CES ou l'ancien président du CES est mêlé à l'affaire du Catergate. Ah oui, c'est vrai. a syndicalistes, le nouveau président du CES, il n'y a pas de petit profit. Alors une autre question de Philippe Auguste Bouvine. Alors c'est pas mal Quel est l'avis de Pierre-Yves sur les Twitter Files révélés par Elon Musk Comment expliquer le silence des médias de grand chemin sur ce sujet et quelle influence possible sur les prochaines élections américaines Alors. Le problème, c'est qu'est en qu train. Si on, si, alors attention, si les considérations sociologiques de la chambre, de, de l'élection de de, partielle des représentants et des gouverneurs se maintiennent, on va avoir un bloc des blancs riches contre Trump. Et eux, leur quant à soi moral. Repose sur l'hypocrisie et le mensonge. Donc, les Twitter ne peuvent pas les toucher. Parce que c'est justement le monde qu'ils veulent. Si vous voulez, le, comme dirait l'autre, la réalité, qu'est-ce que t'en as à foutre Moi, j'allume la télé, toi, tu regardes par la fenêtre. Bon. Donc, tu ne peux pas avoir, euh, tu ne peux pas toucher par un élément logique ces gens-là. Ils n'en ont rien à foutre. De l'autre côté, euh, Elon Musk a sorti des choses qui, je suis désolé, ça veut dire quand même, et ça veut dire, et nous le savions, ça, 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 ça confirme ma théorie sur l'hybridation de ce qu'on appelle l'état profond, qui est en réalité l'état réticulaire, ou ce que je préfère le, le nom que la polit une, certains politologues américains lui ont donné, les institutions de le sienne, par opposition aux institutions jeffersoniennes. Se sont hybridées, comme elles se sont hybridées avec les marchés financiers à partir de Reagan et pleinement réalisées grâce à M. William Clinton, qu'on appelle Bill, euh, et de l'autre côté, euh, par. Euh, comment est, et là, l'hybridation par les GAFAM qui a été réalisée par M. Obama, qui n'est rien de plus que la continuation du clintonisme par d'autres moyens. Je pense qu'une partie des Américains comme, euh, se rend compte aujourd'hui. Euh, particulièrement dans les minorités, euh, de la manière dont ils ont été utilisés. Je vous rappelle que face à Black Lives Matter, ceux qui n'ont pas baissé leur pantalon, ce sont les Black Conservatives et les Latino-Conservatives. Euh, Donald Trump a augmenté le poids du Parti républicain dans la quasi-totalité des minorités, même si certaines sont... Euh, euh, par exemple, il a fait imploser le, le vote asiatique qui était 100% démocrate et a, par exemple, c'est très drôle d'ailleurs, puisqu'il a attiré, par exemple, je crois, le vote des Vietnamiens, euh, les Américains d'origine vietnamienne, euh, les Chinois eux, restent votant pour le Parti démocrate. Euh, je ne dis pas qu que Trump gagnera par les minorités, je ne dis pas ça du tout. Je dis que des affaires comme celle de Musk conscientisent des parts du peuple américain qui ne l'étaient pas nécessairement sur la dangerosité en termes de liberté publique. Euh, de euh, l'état réticulaire, donc euh, qui d'ailleurs est un anti-état. Un jour, l'ambassadeur de, j'avais eu le, le privilège de rencontrer l'ancien ambassadeur d'Iran de, de, en France. Il m'avait dit :« Vous savez, monsieur, euh, il n'y a qu'un seul Iran. Il n'y a qu'une seule France encore, mais il y a plusieurs Amériques, malheureusement. » C'est un secret de polichinelle que, que tout diplomate de métier ou toute personne frottée aux relations internationales sait. Et nous ne pouvons que souhaiter que ce genre de, de révélation, et Elon Musk a eu raison de le faire, euh, parce que ça sert le bien commun, parce qu'à un moment, pour, pour, il faut déjà nommer un problème pour reconnaître qu'il y en a un. Et là, il y a un véritable problème, c'est-à-dire que euh, quelque chose qui a été fait dans ces textes pour la protection des Américains, qui est l'agence du FBI, alors que le FBI, comme chacun sait, Hoover crée le FBI parce qu'on envoie, c'est simple, on envoie des colis piégés au Rockefeller. Il faut, faut, faut protéger les barons industriels américains et donc on crée une unité d'élite spéciale pour ça, qui va devenir le FBI. Donc je ne dis pas, je sais très bien que le, le FBI est né quasiment comme une garde prétorienne. Néanmoins, je pense que le fonctionnaire de base du FBI euh, qui doit être un, un chic américain, un chic type euh, qui aime bien son pays, et pas un salaud pour autant. Et je pense que beaucoup de ces gens-là se euh, même se rendent compte qu'ils euh, ont été utilisés et qu'à un moment, et je le dis par affection, euh, enfin par affection euh, personnelle parce que j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, mais surtout euh, je le dis parce que. Euh, si l'Amérique s'effondre, ce sera sur nos pompes. Donc, j'en ai pas nécessairement envie. Euh, je pense qu'il faudrait que plusieurs médias s'emparent de ce fait-là, parce que de toute façon, c'est en train d'infuser dans une part de la population américaine, et que si vous ne reconnaissez pas cette souffrance, eh bien, euh, qui ouvre la porte du salon avec les pieds ne se plaindra pas de se la prendre dans les couilles. Donc, euh, méfiez-vous. Le. Méfiez-vous, parce que s'il y a des euh, Twitter Files, j'attends euh, l'équivalent pour Facebook, j'attends l'équivalent pour d'autres GAFAM, et je pense malheureusement qu'on n'est qu'au bout, qu'on qu n'est qu'au début du problème, et je crains que la Silicon Valley n'en ait pas pris la mesure. Très bien. Euh, alors, Pierre-Yves, il y a une question qui m'a fait euh, beaucoup rire ou m'étouffer, je ne sais pas trop. Euh, au vu du nombre de souverainistes convaincus en France, ne devrait-on pas avoir une stratégie d'entrisme au sein du RN qui n'en compte pas plus à titre perso... à titre perso... Et ah. autre question en même temps, est-ce qu'un est qu souverainiste pourrait être élu aux élections sénatoriales bah, je, je vais vous choquer, mais. Parce que je, je sais que là, je suis face à mon public et vous avez. Moi, j'ai été sub, sub, submergé d'affection. Euh, euh, j'ai même reçu des, des cadeaux de certains d'entre vous. Je pense au camarade Moussa que j'embrasse, je, que qui doit me regarder depuis le Québec, euh, et à d'autres. Euh, mais euh, et vous me prêtez des capacités qui sont peut-être très au-dessus de ce dont je suis capable, mais je vous en remercie. Mais il m'est arrivé de me tromper. Et par exemple, je me suis trompé sur un homme, je le reconnais. Je me suis trompé sur Stéphane Ravier. Je me suis trompé sur Stéphane Ravier. Euh, Il cachait je, bien son jeu. j'ai je, cru à quelqu'un de beaucoup moins raffiné que ce que ah, j'ai oui, trouvé. Oui, oui, oui. euh, j'ai cru à quelqu'un de beaucoup moins patriote que ce que j'ai trouvé. Je ne suis pas. Euh, je me suis pas souvent trompé, mais ça m'est arrivé. Je, je me suis trompé sur cet homme. Parce que j'ai déduit dans son entourage qu'il devait avoir certaines idées et qu'il devait être mon ennemi, ce qu'il n'est pas. Et je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Je l'ai trouvé un homme extraordinairement sympathique. Et je ne pense pas que ce soit l'européiste de l'année. Non. Euh, alors il est peut-être pas aussi raide que je le suis, mais ça, si vous voulez, j'en suis plus là. Je ne pense pas que quelqu'un comme David Rachelin soit européiste. Il ne faut pas déconner non plus. Je me rappelle l'écurie euh, d'où il vient, donc. Euh quand même pas oui. le temple européiste le premier. Et euh, donc, il est tout à fait possible que nous ayons des gens bien qui puissent passer au sénatorial. Sur la stratégie d'entrisme, premièrement, déjà, une stratégie d'entrisme, ça ne se décrète pas, ça se sécrète, Charmy. Il hein, n'y a pas de cours sur l'entrisme en direct YouTube à l'OCI. Hein, ah là. si, parce que ça doit exister, non On peut peut-être demander à Bonpart de nous donner quelques, quelques explications. Quelques, quelques pour explications, oui. Le, mais... Le, mais à titre personnel, je, je n'en suis même pas partisan. Je vais dire pourquoi. Parce que euh, j'ai peur que, que la structure interne du Rassemblement national fait que de toute façon, euh, euh, c'est un parti avec une classe propriétaire. Et tout le reste, ce sont des locataires. C'est même ces, ces statutaire. Je vais vous donner un exemple pour se présenter contre Marine Le Pen. Les statuts du RN font que vous devez passer par l'ESD. Donc c'est comme si les secrétaires départementaux. C'est comme donc euh, de, merci ma, ma, mon camarade. Donc euh, c'est comme si vous deviez avoir les signatures des préfets pour vous présenter à la présidence de la République. Bon, euh, si vous voulez, ça ne pou, ça ne c'est inutile. J'espère qu'à un moment euh, quelqu'un euh, comme Jordan Bardella ou comme d'autres euh, entendra le message de l'unité parce que de toute façon le RN je, je ne pense pas que le RN puisse être élu en l'état euh, d'ailleurs je ne vois pas et d'ailleurs à titre personnel même je, 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 je m'en... Euh, euh, si j'avais tort croyez bien que je, me pas, pas, je ne m'enroulerais pas par terre en pleurant bien au contraire je dis juste que je ne vois pas les sorties de l'abstention dans les classes sociales majeures qui nous feraient gagner. À l'instant T, ce sont les nôtres qui s'abstiennent de plus en plus. Alors vous me direz, on a eu des élus. Oui, on a eu des élus parce que le nombre, euh, parce qu'il n'y a pas eu de report de la gauche vers Macron, parce que il y a un choc antimacroniste d'une part de l'électorat populaire de gauche, et je pense d'ailleurs qu'une part de l'opération Bompard est là pour mettre fin à ça, parce que Bompard, lui, l'appellera voter Macron comme un seul homme, parce que de toute façon, euh, tant qu'on lui... Alors que je comprends, parce que c'est pas du tout la même trajectoire que Jean-Luc Mélenchon, n'en est pas même humainement en vie, Bompard, ça le gênera pas 20 secondes. Et deuxièmement... Parce qu'il faut voir le nombre de votants dans les, euh, au deuxième tour. On a eu des élus, souvent, dans des, pas dans des mouchoirs de poche, il y a eu des, des victoires assez larges, mais souvent au deuxième tour, il y a eu aussi beaucoup de victoires écraques euh, qui sont dues avant tout à l'absence de votants. Or le problème, c'est que je ne suis pas certain que nous arrivions à maintenir la pression des nôtres. Euh, et je sais que le, le, ceux qui sont à l'Assemblée essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais moi j'entends de par nos bases parce que moi je fréquente les bases. Oui, on a 90 députés. Et oui, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Donc, le, le je, je, je ne vois pas, surtout que le système ne pourra pas ressortir Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron est détesté à titre personnel. C'est plus d'ailleurs Macron qui... Macron est le paratonnerre du système au sens premier. Un paratonnerre, comme son nom l'indique, ça attire la foudre. Emmanuel Macron porte une haine patriotique sur ses traits. Quand le panda du Havre, ou n'importe quel des succubes ou des incubes qui sortira du cercle de l'enfer, euh, arrivera, ce sera autre chose. Par exemple, le brave panda... Euh, jouera la Vierge effarouchée alors que notre camarade Michel Guenard, dans son livre d'ailleurs, Édouard Philippe a très très mal pris la chose, a révélé que Édouard Philippe avait convoqué le chef d'état-major des armées pour lui demander si l'armée tirait dans la foule ou pas face aux gilets jaunes, et le chef d'état-major des armées a exactement répondu la même chose que ce que le gouverneur de Paris avait répondu à M. Hollande quand M. Hollande avait demandé si on, si on allumerait la manif pour tous. Hein, allez vous faire cuire un œuf, l'armée ne le fera pas. Édouard Philippe, de la part de Michel Ganner, qui est l'un des intellectuels organiques de la droite française, qui est toujours encarté aux Républicains de, 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 depuis, euh, depuis la création, même pas des Républicains, de, depuis l'époque du APR, Édouard euh, Philippe a très très mal pris que ce soit rendu public. Or, le, parce Édouard Philippe euh, va arriver avec un programme que je vous annonce par avance, qui est Macron ne connaît pas. Donc, euh, et face à ça, j'ai peur que pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour Marine Le Pen, ce soit le combat de trop. Euh, alors, donc, simplement, du coup, on a une autre question de Guillaume euh, 1987-69. Un espoir pour la gauche avec Ruffin pour interrogation. Il a de bons propos sur l'électorat du Rassemblement et national, les... par exemple. Un vrai discours social et pas de délire indigéniste. Quelqu'un a croisé euh, Ruffin récemment, ces derniers mois euh, le vrai problème de François Ruffin, là je vais me permettre de dire quelque chose que tous les analystes savent mais que le public n'a pas encore compris. Euh, François Ruffin, alors je ne m'apesantirai pas sur sa vie personnelle, je crois que c'est quelqu'un qui est parfois en souffrance. Parce qu'il disparaît, il y a un côté très, très, euh, je ne dirais pas dépressif, je dis que c'est quelqu'un qui a besoin d'isolement à certains moments. Alors là, vous me direz, il l'utilise politiquement pour euh, revenir avec une parole souveraine. Peut-être, mais. Ouais, La stratégie a... pilant, ça fait longtemps que ça marche plus. Hein. Ça, premièrement, je suis d'accord avec toi. Deuxièmement, il a toujours eu tendance à le faire. Or, euh, évidemment, Ruffin a une, a une œuvre qui est quand même assez considérable. Hein. Pour moi, ce qu'il a fait de mieux, c'est drôle, c'est Fakir tout le monde a oublié Fakir mais moi j'aime beaucoup Fakir et Fakir avait fait de, de superbes suppléments je pense à un petit livre sur comment les rois de France ont liquidé les ont liquidé la dette souvent d'ailleurs en liquidant les mecs qui la posent le euh, mais il y, y, y a un truc à creuser hein, d'ailleurs enfin des tombes et le euh, le, donc, le et le, donc donc voilà et le, moi j'ai de la considération pour Ruffin évidemment je dis juste que je ne Ruffin n'a pas la tête politique qu'à Katniss, mais Katniss a été formé par Kuzmanovic, donc Katniss est une tête politique. Ruffin a un côté plus, euh, plus bohème, puisqu'il appartient, il faut quand même se rendre compte, à la haute moyenne bourgeoisie, mais moyenne supérieure d'Amiens. Et. Euh, et euh, Disons qu'il a toujours cette, cette douleur de, de parler au prolétariat sans en être. Euh, mais il en parle très bien, d'ailleurs. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que face à un réseau euh, publiste et indigéniste qui, lui, est à euh, maillage resserré, Ruffin, combien de divisions Ruffin, combien de divisions je, je, je ne le vois pas comme un homme d'appareil cruel capable de liquider ces gens-là. Et eux, ils n'hésiteront pas 20 secondes. Parce que Daniel Obono, agent du NPA. Ce qu'on oublie toujours de dire, on dit euh, agent de la bourgeoisie sénégalaise, certainement, mais agent du NPA avant tout. Bon Bompard, NPA. Clémentine Autain, les Baltringues, agent du Parti socialiste. C'est souvent les mêmes. Hein. Est-ce que souvent les mêmes d'ailleurs Et Ruffin, face à ça... Il a quoi Alors, je mets de côté Coquerel, Coquerel c'est un abruti. C'est un chevet de mentiste défroqué, donc euh, on, on, rien. Il écrit le Mars, Mouvement d'action républicain social. C'était un groupuscule, il y a une côté trotskiste, euh, Coquerel. Oui, c'est un chevet de défroqué. Un chevet défroqué, tu vois, pléonasme. Et le. Euh, et. Euh, sur qui Ruffin peut compter Corbière, c'est la et infidèle. Corbière, il suivra Mélenchon jusque dans la tombe. Euh, et de toute façon, Corbière est une cible. Évidente. Euh, alors, vous me direz, euh, c'est plus, plus facile de loin de tirer sur Garrido, mais, la, mais, la, mais Garrido n'est pas dangereuse. Garrido n'est pas dangereuse parce que Garrido n'a pas de tête politique. Ce qui n'est pas le cas de Corbière, je, je reviens. Le Corbière est tout sauf un imbécile. Or, la seule chose, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie pour contrer Bompard. Bompard tient l'appareil. Alors, ils peuvent liquider l'appareil, mais liquider l'appareil en créant une nouvelle légitimité, le seul qui peut le faire, c'est Jean-Luc Mélenchon, et il ne peut pas le faire maintenant. Il ne peut le faire que, disons, dans les deux ans avant la présidentielle. Et ce qui m'étonne toujours avec ces questions sur Ruffin ou sur Mélenchon, c'est qu'on présume de la bonne foi de Mélenchon, c'est-à-dire comme quoi il aurait pu être embrigadé, euh, convaincu euh, par les indigénistes, par les féministes euh, radicales. Mmh. Euh, et Ruffin, on présage que parce qu'il ne parle pas de ces sujets qui ne concernent pas sa circonscription, nécessairement, il n'y est pas forcément favorable. Mmh. Mais je en fait, je suis d'accord avec toi. Euh, Ruffin, quand on l'écoute, quand on moi je regarde ses revues d'actualité, tu sais, mmh, les fameuses revues d'actualité. Bon, sincèrement, est-ce que je, je vois pas beaucoup de différence avec un discours... Euh, ou Coquerel ou corbière ou tu vois c'est pas, euh, pas nécessairement un, un, un anti-indigéniste, un, un croisé anti-indigéniste. Hein, je... Ah non, mais il n'ira pas, de toute façon, il n'ira pas au combat. Oui, c'est ça, c'est plus, plus ça. Il n'ira pas au combat. Moi bon, en, tout, en tout cas, j'en serais très surpris. Mais après, je peux me tromper, hein, mais. Je pense pas. J'ai de grandes craintes que, euh, que, que de toute façon Ruffin soit déjà. C'est simple. Ruffin va euh, essayer de comprendre la France périphérique, tout simplement, parce que déjà, c'est sa circo. Il va se heurter à tout un appareil LFI qui, lui, est un appareil urbain. Et tout simplement, euh, il faut se rappeler que le Front National avait parier sur le vote automatique de la France périphérique, et donc avait délaissé une partie des campagnes, ce qui avait permis à Mélenchon de, de tailler des croupières. Et on avait présenté sur Amiens un acteur euh, sympathique euh, du Front National. Donc j'ai oublié le nom, celui qui joue dans Casse-Départ. C'était celui qui était candidat face à François Ruffin. Franck de la personne Oui, c'était le candidat face à, à François oh, Ruffin. Oh putain <laughs> Donc oh on a parié sur le meilleur cheval. Ouais, wow. Franck de la personne. La Oh la vache. Wow. Franck de la personne, François Ruffin. Bah moi j'étais à, 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 à ce moment-là sur la télévision de euh, la France... Euh, oh, -ce, ça, ce, ce... Bref, la télévision régionale de, de Picardie. Et on a vu les résultats à la télévision en direct. Et un des cadres du front seul qui m'accompagnait a, a dit Yes Parce que Ruffin venait de gagner. <laughs> Là, et, et, non, mais c'était. France 3 Picardie, c'était ça. C'était absolument colossal. La, la, la front de la personne. Mon Dieu. Alors, le. le J'ai. De toute façon. <laughs> ils ne referont pas euh, ce, ce. Alors, le front fera certainement l'erreur de délaisser la France périphérique. Mais cette fois-ci, la LFI n'aura pas l'intelligence d'y aller. Euh, je, je pense que de toute façon, une partie non négligeable de l'état-major actuel a passé tout cet électorat par perte et fracas. Tout simplement parce mmh. que qu'ils doivent incarner le flotteur droit, enfin le flotteur gauche urbain. Euh, et ils vont, je pense que la stratégie que j'appellerais euh, euh, Bompard rousseau c'est tout simplement de, exactement comme les LR ne vivent que par le Sénat, de vivre par des villes moyennes gérées de manière décadente. Ça s'appelle le Parti communiste français. Oui. C'était <laughs> la stratégie de la mort de Robert oui. Hue. Euh, voilà. Alors une question suivante comment imaginer la décentralisation dans la France souveraine Est-ce qu'il faut prévo... enfin, faire prévaloir la subsidiarité sans la féodalité moi, oh, si tu veux, le, le, dans les sujets complexes. Tes décentralisateur, toi d'ailleurs, Pierre Non. Non, oh. non je l'ai jamais été. Des concentrations, plutôt Oui, légèrement des concentrations, mais si, si tu veux, aujourd'hui, de... on ne peut pas... C'était facile de déconcentrer quand on n'était pas face à des sujets complexes. Aujourd'hui, on est face à des sujets tellement complexes que les saucissonnés euh, les saucissonner sur euh, euh, mon petit bout de territoire, etc., ça va être extrêmement compliqué. Je pense néanmoins que les Français ont besoin d'un cadre de légère déconcentration symbolique qui est évident. Mais pour moi, c'est d'abord le maire, parce que, je suis désolé, quelque chose se casse la gueule quelque part, le premier qu'on regarde, c'est le maire. C'est un réflexe français, ça. Les Français aiment leur maire. C'est avec la présidentielle la seule élection qui surnage. Tu dis ça pour les Parisiens <laughs> Pour les vraies villes, Paris n'aurait jamais dû avoir un maire. Je suis désolé, ça c'était l'idée de cash flow de Chirac. Et d'ailleurs, maintenant, il faut le dire franchement, c'est et ça a été dit publiquement par un membre à l'époque du Parti communiste français à la mort de Chirac, qui a dit de toute façon, grâce à Chirac, on bouffait tous, c'est-à-dire que on bouffait au sens. Tu vois, au, au sens euh, euh, frisbee, pognon, attrape-moi ça. Et le. Euh, 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 ça, c'était le côté où fouet de Boigny de Chirac que je trouve absolument insupportable. Donc, euh, c'est-à-dire euh, euh, le trésor ou les crocodiles. Donc, euh, euh, enfin, en tout cas, ça avait beaucoup plus de gueule quand c'était au fouet qu'il faisait. Donc, mon euh, moins, fouet, c'est un héros, hein, à la base. Hein. Donc, le, euh, le problème c'est que, premièrement, paris, comme paris, n'aurait jamais dû avoir une mairie unique. je suis désolé. c'est beaucoup trop de pouvoir dans les mains d'un seul service, et d'ailleurs, ça a montré sa redoutable inefficacité. Euh, je pense qu'au delà du maire, il faut aller d'abord vers le département, parce que c'est, néanmoins, la structure la plus efficace. et je veux bien qu'on refasse les anciennes provinces d'un point de vue symbolique parce que ça c'est normal c'est l'identité etc les régions ont prouvé leur inefficacité je vais vous donner un exemple moi je suis, moi je n'ai jamais siégé moi je me suis présenté à des élections je, je n'ai jamais siégé mais je suis allé faire mes devoirs au conseil régional d'Alsace tu t'es infligé une séance euh... plusieurs plusieurs bah déjà pour aller voir pour j'ai rencontré un intervalles régulier Florian et on va être très clair en une après-midi de débat on a réglé des problèmes que un fonctionnaire tout seul, tout seul, ce qu'on a réglé à 250 personnes, un temps plein, seul, à la préfecture, l'aurait réussi. Donc à un moment, au secours, on arrête la gabegie, il y a trop d'élus en France avec trop peu de pouvoir chacun mais chacun une petite gamelle donc comme ça tout le monde se tient et tout le monde sert sa gueule ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera il faut des élus en nombre restreint mais avec de vrais pouvoirs et une vraie responsabilité sur leur tête et je me permettrai d'ajouter un véritable statut je suis pour la tutelle préfectorale pas sur les questions de fond mais sur les allocations publiques de pouvoir censuré pour éviter tout clientélisme, je suis pour que le préfet contresigne toutes les allocations d'argent public. Comme ça, ça, ça évitera que des maires chient dans leur froc de se prendre une de se prendre une, 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 un cocktail Molotov sur leur maison. Si ne nourrissent pas euh, l'association des grands frères, il pourra se planquer derrière le préfet et le, plan, euh, le préfet fera ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se planquer derrière les flics et, le, euh, et tout ira très bien. Mais je, je ne suis pas, je suis pour le retour des préfets de fer, euh, et, le, euh, et particulièrement dans les territoires de souveraineté renforcée qui seront euh, nos domtoms et toutes les préfectures maritimes. Donc euh, je pense que voilà, ça donne un, un aspect. Alors par contre, je suis tout à fait d'accord pour la multiplication des référendums locaux sur les sujets d'intérêt locaux. Mais ça, à l'initiative des maires. Le président de région, et d'ailleurs, nous avons un exemple fabuleux. Je tiens à dire combien cet homme va manquer à la vie politique française. Je veux bien sûr parler de Jean Rotner. Jean Rotner nous a quittés. Alors, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit... Et non, en réalité, c'était quitter la vie politique. Alors là, tout le monde s'est dit... Il a... Il doit veiller sa femme malade... Son enfant, son beau-frère, son chat. Et en réalité, non, pas du tout. Il était entré à la communication d'un groupe privé. Hein, comme quoi, tape un, euh, un jour. Pas un, hein, voilà. Donc, euh, voilà ce que ça vaut, les élus locaux et le président du conseiller général du Grand Est. Voilà. Donc, euh, au passage, euh, agent retenaire euh, agent, euh, agent partant la République reconnaissante non pas d'avoir été mais d'être parti. donc, euh, malheureusement, le reste vaut pas beaucoup mieux. et euh, ultime point, si je veux aussi donner le pouvoir au préfet, c'est pour une raison qui est simple. c'est que le préfet est le seul à avoir des, euh, des euh, compétences d'attribution en termes de défense du territoire. il faut pas oublier que le préfet a des prérogatives militaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais qu'on euh, virilise un petit peu le corps des, hors des préfets et de ne oh. pas y voir tous les échappés de chez la mère Arthur que j'y vois aujourd'hui. Voilà, merci bien. Une dernière question, Pierre-Yves, si tu veux bien, un peu plus historique. Vous avez plus d'une fois dit que vous aviez une préférence pour l'œuvre politique de Napoléon III. Euh, une préférence pour oui. celle de Napoléon III à celle de Napoléon Ier. Quelle différence fondamentale faites-vous entre les alors, deux Alors. Attention, pour préfectoral, ça At bien. attention quand on parle d'œuvres politiques. Euh, la phrase de Bainville est très belle, elle est sur le plan militaire et historique assez juste, mais elle, est, mais elle ne peut pas être maximalisée. Quand il dit sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût mieux valu qu'il n'eût pas existé. Il ne faut pas oublier que Bonaparte, j'y bien Bonaparte, donc Bonaparte, premier consul, pardon, hein, finit la révolution. Il est l'homme au point de fer que Robespierre a annoncé. Il Robespierre à cheval, selon le, les mots de Metternich. Mmh Et d'ailleurs, il est très lié au frère de Robespierre, tout le monde le sait. Bah bonbon, euh, bonbon Mais Robespierre. Le problème, c'est que Bonaparte solde. La Révolution, c'est-à-dire principalement les deux, les, les deux ou trois questions très épineuses. Premièrement, les biens du clergé, il faut être honnête, c'est-à-dire non, on ne vous les rendra pas. <laughs> Et euh, évidemment, le... il donne à la fois un second souffle, mais en même temps éteint le souffle de la Révolution. Est-ce qu'on lui, en... est qu lui en est gré ou pas C'est pas la question, c'est un état de fait. C'est la France, euh, ni faut... talon rouge, ni... Bon... ni euh... C'était quoi Ni bonnet rouge, ni talon rouges. Talons rouges rouge. Talon rouge des rouge. Et pour ça, il était absolument nécessaire. Et il serait advenu quel que fût, quel qu'aurait été son visage. Par contre, moi c'est le problème, ce n'est pas cette œuvre-là de Bonaparte politiquement qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est l'ubris de l'homme de guerre. Les guerres de l'empereur sont pour la plupart défensives. Le problème c'est que, la, que la, le questionnement impérial vient de guerres défensives, le plus souvent de guerres défensives gagnées. on t'attaque, tu gagnes, on t'attaque, tu gagnes, on t'attaque, tu gagnes et puis à un moment tu te rends compte tu as un territoire devenu gigantesque et là d'un seul coup la tentation impériale vient et avec elle la chute. La, guerre, à fait non. la campagne d'Espagne, la campagne de Russie, la campagne d'Espagne, la campagne de Russie, les deux grandes erreurs. Le euh, premièrement d'avoir l'état spirituel dans lequel était l'Espagne à ce moment-là et que la France allait s'abîmer dans la répression et qu'une armée qui fait de la répression désapprend à faire la guerre. Il aurait mieux fallu d'utiliser le renseignement, nous avions déjà il y a du renseignement depuis l'Antiquité, Bonaparte en avait, hein. et puis il avait fouché le Ouh. mais euh, nous aurions l'empereur aurait pu se rendre compte que l'Espagne n'était pas prenable par les idées de la révolution tout simplement parce qu'il y a un gap qui était beaucoup trop grand à l'époque et que mieux valait que les idées de la révolution infusent par mimétisme en Espagne et de donner à l'Espagne 50 60 ans peut-être un siècle pour se les approprier mais euh, pas comme ça et on est exactement sur le même problème en Russie en Russie en Russie quand, on, quand Bonaparte arrive, il n'est pas en face d'un ordre aristocratique décadent, il est en face d'un ordre médiéval, il est en face du servage. Donc il va passer servage, révolution, en one shot, optimiste. Optimiste. Il ah bah y en a un qui a essayé hein. Vladimir Ilyich ou c'est un chantier, il y a laissé de trois gouttes, <laughs> tu m'accorderas. Donc euh, et puis la déculacisation... Euh... <laughs> un peu virulente.